Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je crois qu'il n'y a pas grand monde, mais bon, tant pis. Voilà. Là. Bonsoir Alkaïr, je crois que tu es tout seul ce soir. Bon, je ne m'étonne pas, hein, de toute façon. C'était pas prévu qu'il y ait beaucoup de monde. On croit plus quand même. Voilà. Ah, parce que ce soir c'est un petit peu spécial. Je vais peut-être baisser le son de la musique derrière. Il y a un live pour des musiques non copyrightées qui tournent. Ce soir, je fais un jeu de la vie en 3 heures. Moins de 3 heures. Normalement, c'est faisable. J'ai déjà fait une fois. Je devrais le faire. Ah, un jeu de la vie. Un jeu de la vie, en gros, c'est trop fort la musique. Ouais. Ok. Je baisse. Voilà, c'est carrément pas fort. Là, normalement, il n'y a quasiment plus rien. Nickel. Un jeu de la vie, c'est quoi? En gros, c'est un automate cellulaire. Donc, un automate cellulaire, c'est tout simplement... Comment dire? C'est des toutes petites règles qui vont faire que des cases vivantes ou mortes, elles vont faire des trucs complètement fous. Enfin, avec trois pauvres règles, on se retrouve à faire des trucs complètement balèzes et qui démontrent bien qu'à partir de pas grand chose, en fait, on peut faire des trucs vraiment bourrins sur le... Bonsoir à la King Gab en termes de... Comment ça s'appelle ? D'évolution mathématique. On va faire un peu de maths ce soir. Pas des grosses maths, vous inquiétez pas, on va pas faire des grosses maths parce qu'en fait, derrière toutes les histoires d'automates cellulaires, il y a des maths balèzes, évidemment, et des maths sur lesquelles des chercheurs travaillent encore. Mais là, pour ce soir, on va faire la partie que moi je sais faire, c'est-à-dire vraiment la partie coding, on va peut-être un peu voir comment ça marche. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas comment on peut coder des trucs, je pense que ça peut être sympa. Alors je vais pas vous expliquer exactement tout ce que je vais faire à chaque commande parce que sinon on va en avoir pour longtemps. Mais voilà, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment on peut faire des trucs, ça peut être cool. Alors du coup, yep, attendez, j'ai un petit truc ici. Nye, nye, nye. Merci pour le follow, super crageur. Alors. Ah. Il faut que je repasse sur le... Voilà, c'est bon. Là, je suis à peu près bien. Allez, c'est parti. On passe sur... Non, ça là, c'est celui-là. Ok, très bien. Je me connecte sur mon Linux. J'ai déjà un petit peu setup de trois trucs. Hein. Donc, est-ce que vous arrivez à bien... Ah, vous devrez arriver à bien lire. Sur le terminal. Allez, hop. J'ai fait un petit peu... J'ai préparé le dossier, en fait, où j'allais travailler. J'ai préparé les deux, trois fichiers. Ok. Donc voilà mon environnement de travail. Bon là j'ai mis... J'ai carrément zoomé pour que vous puissiez lire parce que sinon j'écris plutôt... Ouais, plutôt comme ça. Normalement je code plutôt comme ça mais c'est carrément illisible. Du coup, je vais zoomer un peu, voilà, histoire que ça soit bien. Bah tout de suite, Rakeir. Alors... Du coup, là, j'ai la base d'un programme en C++ avec la SFML. La SFML qui est la Stand Simple and Fast Multimedia Library, voilà, qui est une librairie pour le C++ fait par un Français. Il s'appelle Laurent Gomilla, donc il y a des tutoriels en français, tout est c'est gratuit, qui permet de faire très rapidement des trucs avec un peu de graphique. Et justement, ce soir, on va avoir besoin de faire un petit peu de graphique, parce que sinon, tout se fait en console comme ça. La console comme ça, et c'est un peu cracra. Du coup, j'ai fait un petit main.cpp avec dedans un petit peu de code C++, qui est le code de base pour montrer que bah, ça marche, la SFML. Et ensuite, le makefile, qui est en gros un fichier qui permet de compiler, de transformer le code C++ en du code machine, très rapidement quand on va dans la console, ou là c'est intégré dans mon éditeur, si je fais CTRL-B, en bas vous voyez qu'il y a la compilation qui se fait, et des nouveaux fichiers ont apparu, notamment le fichier qui s'appelle goal pour Game of Life, hein, évidemment, et ce fichier là, et ben c'est du fichier exécutable, donc c'est absolument pas lisible. Mais en gros, enfin même pas en gros, c'est la traduction pour l'ordinateur de cette partie-là. Cette partie-là a été transformée en ça. Donc maintenant, on va l'exécuter pour voir comment ça marche. Donc, .slash goal. Bon, je suis sur Linux, évidemment, ça fait ça. Ça fait un joli petit cercle que je peux étendre. Voilà, ça fait un joli cercle vert. On aurait pu s'en douter parce que là, il écrit circle shape qui est de 100F, donc 100 flottant, donc sur une window de 200 par 200. Et la couleur du truc est vert.
et on dessine le cercle. Donc voilà, on va partir de ça pour faire notre Game of Life. Je vais mettre quand même un petit peu les règles du Game of Life. Automate cellulaire, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc automate cellulaire, Wikipédia, les règles sont sur Wikipédia, tranquillou. Ah non, ça c'est celui de... Bah, je veux l'automate cellulaire de Conway. On va commencer par celui de Conway. Voilà, c'est ça. Si la cellule est vivante et entourée de deux ou trois cellules vivantes, elle reste en vie à la génération suivante, sinon elle meurt. Si la cellule est morte et entourée par exactement trois cellules vivantes, elle naît à la génération suivante. The Female. Oui, coucou Maniscope. Donc du coup, on va commencer par... je vais commencer par mieux gérer mon écran parce que sinon ça va être le bordel parce que j'ai besoin de... Beaucoup d'informations en fait. Ok. Voilà, là je suis à peu près bien. Là je suis à peu près bien. Hop, je vais réduire ça. Oh, c'est pas mal ça. Je savais pas que Windows 10 il pouvait faire ça, la réduction automatique des images quand t'es... Ah, c'est cool ça. Ok. Me voilà bien, j'ai mes motifs à droite. Enfin mon... J'ai ma page Wikipédia qu'il me faut à droite, avec possiblement la documentation SFML, parce que j'en avoir besoin. Et le code à gauche. Allez, c'est parti. Donc... On va commencer bah, du coup par faire une cellule. On va commencer par faire une classe cellule qu'on va appeler cell parce que j'ai pas d'imagination. Allez hop, une classe cell. On va commencer par inclure. Ah non. If not def. Non, c'est cell.underscore.hpp. Define. cell_hpp and if. Donc ça permet de déclarer une classe qui ne sera pas trop déclarée plein de fois parce que sinon en fait quand on fait des inclusions de fichiers on risque de déclarer des classes trop de fois, donc c'est le bordel. Donc là on a la base, on va mettre on va lui mettre un état en truc privé, donc en gros on va lui mettre un truc qui permet de dire si elle est vivante ou morte. Ça s'appelle un attribut. On le met en tant que privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lisible à l'extérieur de la classe pour la raison d'encryption. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est de la PO, de la programmation orientée objet. Mais bon, il y a des raisons pour ça. Donc, on va l'appeler up is alive. Ouais, on va l'appeler comme ça. Up is alive, tout simplement. Ensuite, il faut que je fasse 2-3 trucs pour faire en sorte qu'on puisse... En fait, on ne peut pas dessiner une cellule comme ça. De base, je ne peux pas la dessiner. Du coup, je vais juste checker un petit peu les tutos de la SFML. Oh putain, cette musique par contre. Je peux pas la switcher, c'est un live à la con. C'est mieux, voilà. J'ai un peu perdu du temps sur le live, du coup c'est bon. Très bien. Et voilà, ça y est, j'ai tout perdu mes pages, j'étais bien. Ok. Donc on va faire hériter tout simplement la cellule. On va la faire hériter de deux classes qui appartiennent à la SFML. D'ailleurs, il faut que j'inclue la SFML, sinon ça va pas marcher. J'ai un peu trop copié. On va la faire hériter de la classe qui s'appelle Drawable. Ouais, vous allez avoir mon superbe accent tout le long. Hein. On va inclure la SFML, évidemment. Hop, avec ça, c'est pareil. On va la faire hériter de Drawable et de Transformable qui va permettre de, justement comme leur nom l'indique, de dessiner et de transformer une cellule de manière très simple. Du coup, on va juste avoir besoin de rajouter une fonction privée qui permet de dessiner. D'appeler la fonction draw sur la cellule. Ça lui permet en fait de pouvoir faire exactement la chose qu'on a ici, mais pour une cellule. Parce que de base, c'est pas possible. Je peux pas genre faire une cellule là-dedans et ça va marcher. Et justement, cette fonction-là et le fait qu'on hérite de tout ça, ça va permettre de le faire. Voilà. Aussi que je rajoute les deux attributs qui vont bien avec. D'ailleurs, je vais plutôt tout mettre. Merde. Je vais tout mettre ensemble. On va rajouter en fait un tableau de vertex. C'est un vertex. Bah, c'est de l'anglais, du coup, c'est un peu bizarre. Un vertex des vertices. On va faire le tableau de vertices. En fait, il permet d'avoir les points de la cellule. C'est-à-dire tous les coins. C'est le tableau de vertices. Et ensuite, la texture, ben, vous savez un peu ce que c'est une texture. C'est ce qu'on va coller par-dessus. Du coup, on va donner à la cellule si elle est vivante ou morte. Donc, on a déjà
J'ai de la pub pour Bouygues. Ah, c'est pas moi, hein. Je peux pas mettre les pubs, c'est pas moi qui gère. Donc déjà, avec ça, normalement, on peut dessiner quelque chose. Voilà. Donc avec ça, on a la base. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. Ouais, je vais faire le CPP en plus. Parce que là, en fait, j'ai juste pas fait de code. Parce que cette partie-là, c'est pas du... Attendez, hop, je vais remettre ça. Là, cette partie-là, c'est pas du code qui va être compilé comme ça, tel quel, parce qu'on est dans un point HPP pour header C++, qui sont des fichiers où, en fait, on va définir des fonctions avant de les implémenter. Les fonctions, les attributs, tout ça vont être déclarés ici, et on va les implémenter dans le fichier .cpp, qui, eux, vont contenir le vrai code, entre guillemets. C'est aussi du vrai code, hein, évidemment, c'est important. Mais c'est pas la même partie. Ça permet de séparer définition et déclaration. Donc là, on va inclure cell.h, évidemment. Ensuite, on va faire les deux fonctions constructeurs. Donc, c'est les fonctions qui permettent... J'arrive pas à écrire quand j'ai le micro devant. J'arrive pas à me positionner. Voilà, c'est les fonctions qui permettent de créer un objet. Voilà, quand on appelle un objet, on peut le créer comme ça. En fait, on va pouvoir faire ça. Cell C est égal à cell. Une fois que j'ai défini cette fonction, ça marche de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va créer une cellule qu'on va appeler C et qui est de type cellule. Voilà, et grâce à Sublime Text, on peut directement aller chercher la définition. On est ici, tu vois. Voilà. Donc on va faire ça, et évidemment, il faut aussi que je crée le destructeur. Je pense qu'on n'aura pas besoin de trop y toucher aujourd'hui. C'est parce que quand vous pouvez créer une cellule, enfin, créer un objet, vous pouvez aussi le détruire. Voilà. Donc, nous, on va revenir un petit peu à notre construction pour arriver à faire quelque chose d'un peu joli. Donc là, on a notre fonction qui permet de draw la cellule. Le problème, c'est que le tableau de vertices, il est vide. Il n'y a rien dessus. Pareil pour la texture, même si la texture, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. En tout cas, ouais, si je pourrais mettre une texture. Éventuellement, je pourrais mettre une texture, mais il faudrait que je sorte un logiciel qui permet de dessiner des trucs. Et honnêtement, voilà. Très bien. Donc là, on va faire notre tableau de vertices parce qu'il faut qu'il soit bien, en fait, tout simplement. Notre tableau de vertices, on va utiliser ce qu'on appelle un quad. C'est un tableau primitif qui permet d'avoir un rectangle. Un rectangle ou un carré. Dans l'occurrence, ça sera un carré. Donc c'est une primitive qu'on appelle... Enfin, c'est une primitive. Oui. C'est un vertex array. Oui, c'est ça. Il suffit pour nous de faire un SF... bah non, je suis sur le vertex array à la con. Ça s'appelle comment? Ah, mVertice, voilà, je l'appelle mVertice est égal à SF. Non, mais non. Attendez, je crois que ça passe. Quad, SF quad. Mais non, mais je suis con. C'est pas du tout ça. Je vais y arriver. C'est SF vertex array. Mets-toi en dev dans la catégorie suite. Ah, il y a une catégorie dev. Ah, attendez, je change. Parce que j'étais sur Game of Life. Ouais. Alors attendez, hop, chaîne. On est 8? Putain de bordel qu'une 9! Oh! Dev. Game Development? Allez, Game Development. C'est un jeu. Du coup. Salut, Clore64. Hop, je change. Je passe en Game Development. Parti. Donc là, je vais arriver à le faire écrire. De toute façon, j'arrive pas à écrire vertex. Vertex Array, donc un tableau de vertex qu'on va lui passer comme primitive SF Quads, qui veut dire un carré, et on va lui en passer 4 parce qu'évidemment on a besoin de 4 coins. Coin en haut à gauche, en haut à droite, etc. Donc maintenant il faut les définir parce que sinon ça marche pas juste comme ça. Donc mVertice, re-requérir, bah dis donc t'as bouffé vite. On va appeler ça qui va lui permettre de. Alors comment on va faire? Ah oui, c'est la position d'abord. Donc position qui peut lui donner ça. On va donner la position du point en haut à gauche. On commence toujours par le point en haut à gauche et ensuite. Ah ben non, ça peut être n'importe comment. On va commencer par un point. Il faut que je commence par un point. En l'occurrence, nous on va commencer par le point en haut à gauche. On va lui donner comme position. Ah oui non, c'est quoi? C'est un attribut. Attendez, je vérifie. Ok, c'est un attribut simplement. C'est pas une fonction. Donc on lui fait position. Donc là, on va pouvoir lui mettre. Au coin en haut à gauche, on va lui donner sa position. Sauf que sa position, c'est un X, un Y. Du coup, on va appeler un vector qui appartient à la SFML, vector 2F pour 2 flottants. C'est-à-dire qu'il y aura, c'est un vecteur
Enfin, les objets mathématiques, c'est une flèche qui aura deux valeurs. En l'occurrence, on va commencer en 0, 0, forcément. Ensuite, on va répéter cette opération pour les trois autres sommets du quad. Donc, ça permet d'accéder au, là, hop, aux trois autres sommets du tableau. 1, 2 et 3. Évidemment, c'est un tableau en C++, ça commence à 0. Et maintenant, il va falloir dire que notre tableau, enfin nos machins, ils arrivent à... Ça fait un carré, quoi. Du coup, on va aller, ça va être le quoi, en haut à droite. Sachant que les axes, par rapport à vous, il faut que je dessine. Là, c'est l'axe X. Là, c'est l'axe Y. Je crois. Attendez, on va vérifier un truc. Si ça, c'est X, normalement, ça veut dire que c'est la longueur qui est plus longue. Hop, je compile. Yeah, oui, c'est vrai. Attendez, hop. Ouais, c'est ça. C'est bien l'axe X qui est comme ça et l'axe Y qui est comme ça. Donc, je vais rajouter 10 à l'axe X de ce côté-là. Ici, on va être en... Donc, ça veut dire que, genre, si on regarde sur ma souris, en premier, on est en 0, 0. Ensuite, on va en 10, 0. Ensuite, il faut qu'on aille en 10, 10. Et après, en miroir, il faut qu'on aille en 10, 0. Et ça devrait compléter le truc. Ensuite, on va s'amuser un petit peu. On pourrait s'amuser un petit peu... Avec de la couleur. On pourrait s'amuser un petit peu. Je vais regarder si je peux faire ça. Je regarde à docu en même temps. Alors, oh putain, la musique de merde derrière. Pff. Cherche des musiques libres de droit en stream. Vous savez, des trucs qui tournent en permanence. Et des fois, je tombe un peu sur de la merde. Alors, je suis sur quoi? Je suis sur un vertex. Vertex, est-ce que j'ai droit à la couleur? Oui, color, nickel. Du coup, on va faire un truc, ça va être très joli. Attendez, hop, on va le faire autrement. Mvertice. Non, hop, j'ai mal appuyé. 0. On va lui donner une couleur. Alors, j'aurai besoin de la définition de la color pour SFColor. SFColor, et on peut le construire. Ah, cool. On va le construire un petit peu en mode arc-en-ciel. Ça va être drôle, on changera plus tard, évidemment, s'il faut. On va commencer par... Ouais, ça c'est le rouge, donc c'est forcément... On va le mettre comment? On va le mettre full rouge. On va le mettre full rouge. Donc RGB, évidemment. Et après, il y a la couche alpha qui donne la transparence, mais c'est optionnel. Celui-là, on va le mettre full rouge. Ah, je vais copier le reste. 1, 2, 3... Là, on va le mettre full bleu, là, full vert, et le dernier, on va le mettre full rose. Je crois que ça fait du rose. Donc ça va de 0 à 255, les couleurs, évidemment. Ok, donc là, normalement, on a la définition d'une cellule de base. Il faut que je rajoute ça au makefile, d'ailleurs. Ça, c'est pour lui dire de compiler aussi cell.o. Et non, mais il faut pas que je compile ça. Hop, hop. Des erreurs ? C'est vrai, c'est cell.hpp, s'il te plaît. Compile-moi ça. Voilà. Donc là, ça compile sans problème. Donc là, je vais inclure cell.hpp. Ou la créative, la catégorie. Ah, mais... je vais changer ça. J'arrive. Cell.hpp. On va faire une cellule. Alors, hop. Donc là, on va créer une cellule qui a toutes les caractéristiques qu'on lui a mises là. C'est-à-dire qu'elle est faite de 10 par 10. Et elle a des couleurs à la con. Normalement, si on la dessine ici, si on l'appelle draw, on va virer l'histoire du cercle, parce que de toute façon, ça sert à rien. On va lui appeler ça, et on va lui mettre C, tout simplement. Hop, compilé, et là, instant de vérité. Oui, nous avons un truc dégueulasse. Je fais quel type de jeu? Je fais un Game of Life, c'est un jeu de la vie, c'est un automate similaire. Alors, il y a un truc qui va pas. C'est le carré, il est coupé en deux. Donc il y a bien les couleurs à la con. Attendez, je vais vous le grossir un peu. Ah mais c'est parce que j'ai mis ça là. Putain, je suis con. C'est qu'il revient sur le même en fait. Du coup, le premier et le dernier point... non. Le deuxième et le quatrième point sont les mêmes. Non, mais non. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va recompiler. Voilà. Là, nous avons un carré à la con dégueulasse. Je vais vous le grossir du coup. Attendez, je peux pas... Voilà. Donc je vais le mettre 50.
Ah. Voilà, nous avons un carré dégueulasse. C'est notre première cellule. Mais juste une cellule comme ça sert à rien. Du coup, on va grossir un petit peu nos cellules. Je changerai les couleurs plus tard, vous inquiétez pas, parce que ça va être vraiment guépression. On va faire un petit peu autre chose. Dans le sens où, là, nos cellules, on peut leur donner des positions. Par exemple, si je fais cette position sur la cellule, parce que c'est hérité de... Qui est-ce qui m'a... Merci pour le follow, Cynix off. J'écorche toujours les prénoms, enfin les pseudos, je suis désolé. Donc, on va mettre cette position, sachant qu'on parle en pixels, là, pour le coup. Si par exemple nous disons que nous, disons, oui, nous disons que nous allons mettre notre position de cellule, c'est en 50-50, 50 en X, 50 en Y. Voilà, il est déplacé. Là, nous avons notre base. Nous avons notre cellule, nous avons le fait qu'elle est vivante ou morte. D'ailleurs, il faudrait faire un truc qui fait que... ouais, attendez. Je vais m'appeler Cynix, bah cool. Il faut faire un truc qui fait que ça gère si elle est vivante ou morte. Ouais. Alors attendez, on va faire un truc. Déjà, je vais faire des fonctions qui permettent de. On va la faire comme ça. Reverse state. Ça va permettre de changer son état, de passer de mort à vivant, de vivant à mort. Je fais du 2D ou des 3D? Alors généralement, ça va être du 2D en tout cas, mais généralement je fais du 2D. Parce que la 3D, c'est vraiment la galère. On va faire la fonction reverse state. J'ai oublié de lui mettre un type. Type void parce qu'elle renvoie rien du tout. Void reverse state. Ah merde. Ah non, en fait, j'ai fait de la merde du tout. C'est celle reverse state. Dans l'autre sens. Ok, et là, c'est tout simplement M. Is alive. C'est un underscore. J'ai pas compris ce qui m'arrive dans la vie. Bah, dis-moi, accueillir, qu'est-ce qui se passe? Is alive est égal à. On va essayer ça comme ça. Je pense que c'est normalement ça se fait. Je pense que ça passe. Ça veut dire que M. Que est-ce qu'elle est en vie, c'est le contraire de est-ce qu'elle est en vie. Ça veut dire qu'on va changer l'attribut par son contraire. Normalement, ça passe. Je suis pas sûr, mais normalement, ça passe pour l'inversion. Donc ça, ensuite, il faut que je fasse un get state. Et il faut que je fasse en sorte que la couleur, elle soit noire à partir du moment où elle est morte. On va faire ça. On va faire un. Mais non, bool getState. Donc ça va permettre de savoir son état. C'est genre, je pourrais l'appeler la fonction pour savoir son état. GetState. On va commencer à préparer le terrain encore. Hein, parce que sinon. Après, quand on va commencer à faire des listes de tout ça, va être le bordel. Ensuite, je vais diminuer la taille des cellules. Ah. Mieux la taille des cellules, je vais les passer au moins à la moitié parce que sinon, quand on va avoir des palanquées, ça va être l'enfer. Pourquoi j'ai un 25 ici? Hop. Très bien, return M is alive. Ok, donc là on est bien, nous avons notre base, il y a ça aussi. Bon, en fait, dans cette fonction, dans la fonction draw, il faut que je prenne en compte que si la texture est. Si elle est morte, le truc, il faut changer la texture. Comment je peux faire ça? Oui, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Dead vertices. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler dead vertices. En gros, on va avoir un tableau de vertex. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait si je fais ça? On va essayer. On va essayer. Ça va être un nouveau tableau de vertex qui va en fait contenir les points et leurs couleurs quand ils sont morts. Enfin, quand une truc est morte. Du coup, ça serait là. Donc, je vais faire un dead vertices ici. On va copier ça en fait. On va copier ça et on va juste changer les couleurs. Attendez, hop, je vais faire ça autrement. Ça va aller plus vite. Dead vertices. Ok. Donc on va mettre toutes les couleurs à. Ah oui, mais putain, il faut que je puisse voir. Ok, on va tester un truc.
Est-ce que je fais le jeu en un live? Ah là, pour le coup, oui, normalement, je devrais pas le faire en un live. Sauf si je perds trop de temps en explication. Normalement, ça devrait passer. Normalement, ça devrait arriver. Je devrais y arriver. Sinon, c'est... On va faire ça comme ça. Donc, si... M is alive. On va faire ça comme ça, ouais, je pense que... Alors, est-ce qu'on dessine pas? Attendez, je réfléchis un peu, là. Ah, je suis en train de faire du caca. Je suis en train de faire du caca, je pense qu'on peut faire tout ça plus simplement. Il suffira de checker au dessin si on a, s'il est vivant ou mort, tout simplement. Le petit chat est mort, le petit chat est vivant. Allez, hop. Oui, ça m'arrive aussi de réfléchir un peu trop vite et de commencer des trucs qui servent à rien. Du coup, là, on va pouvoir commencer à faire la liste des cellules. On va pouvoir commencer à faire une liste de cellules parce que juste une cellule, là, ça va pas du tout. Il nous faut une liste de cellules. Pour ça, on va utiliser les vectors de C++. Ils sont dans vector, magnifique. Et on va faire un truc qui s'appelle... allez, hop, on va faire une fonction qui va renvoyer un vector. Ouais, je vais utiliser namespace std parce que sinon, on va pas y arriver. Ça, ça permet de s'affranchir un peu de certains, d'une répétition de code. Parce que si j'utilise pas la ligne de dessus, en fait, je vais devoir mettre std vector à plein de trucs. Et c'est trop chiant. Du coup, on va juste mettre vector. Bon, lui, il le met là, mais je peux enlever ça, en fait. Ça va permettre de me soulager un petit peu la vie. Donc, on va faire une fonction qui permet de générer une liste. Generate list cell. Qui fait une liste de cellules. On va lui passer en paramètre le nombre de cellules dont, par exemple, on va créer 200 cellules. Magnifique. Non, mais non, je suis con. NBR cellules, ça ne se met pas là, le truc. Et c'est un tableau, non pas de caractère, mais de cellules. Plus précisément, ça va être des pointeurs, parce que sinon, ça va être trop lourd. Ça va être vraiment trop lourd. Donc là, il va falloir qu'on fasse une boucle for int. Enfin, un nombre cellules. Donc on va faire... Comme d'hab, mon petit péché mignon, c'est d'appeler une variable qui s'appelle TMP, qui permet de faire une variable temporaire. Enfin, de faire, au moins je suis sûr que c'est une variable temporelle, qui est un tableau de cellules. Hop, et donc on va retourner ce tableau. Je vais même faire un pointeur en fait. Je vais faire un pointeur là-dessus, comme ça sera plus léger. Est égal à new, mais non. Il est là, l'étoile. Alors, c'est un petit peu du compliqué, c'est un petit peu une pirouette. En gros, ce que je fais, c'est que je fais un pointeur sur un tableau de cellules, de pointeur de cellules. Pourquoi je parle de pointeur? C'est parce que c'est quand même plus simple. Enfin, c'est plus compliqué en termes de gestion mémoire, mais par contre, c'est plus simple et plus léger, en fait. C'est plus léger à manipuler, ça évite de balancer des trucs vraiment lourds. Notamment quand on passe par copier ou des trucs comme ça. Alors... ouais, c'est ça, et c'est des vecteurs cell. Voilà. Ok, donc là ça marche. Là, on va remplir le tableau. Parce que là, on l'a créé. Ici, on crée le tableau de cellules. Là, on retourne le tableau de cellules. Donc, on va pouvoir le récupérer quand on va appeler cette fonction. Maintenant, il faut le remplir. Donc, for pour i allant de 0 à son nombre de cellules, on va créer une nouvelle cellule. Donc, cell c est égal, bah non, ça va être des pointeurs, donc hop, est égal à new cell. Merci pour le follow, Clore64. Donc là, on va faire une nouvelle cellule avec new. New, ça veut dire qu'on fait une, on alloue manuellement de la mémoire. Ça marche pareil que ça, à ceci près que ici nous avons une cellule, une vraie, genre le C, c'est l'objet cellule. Là, C, c'est un pointeur sur une cellule. C'est différent parce que un pointeur, c'est juste un entier qui donne un accès à un endroit en mémoire. Une cellule, c'est carrément toute la cellule en mémoire. Pourquoi je prends juste un pointeur sur la cellule? C'est parce que c'est quand même plus rapide à manipuler, en fait. Ça évite pas mal de... Enfin, ça augmente un peu les emmerdes, mais au moins, on est sûr de ce qu'on fait. On est sûr de quel truc c'est. Parce que, par exemple, si je faisais... si je passais la cellule C à une fonction, si je l'appelais comme ça... Et ben ça serait une fonction qui appellerait une copie de cette cellule, juste pendant la fonction. C'est-à-dire que... Merde, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple là, sous la main. Si genre je faisais une fonction void demi, qui prendrait un paramètre d'une cellule,
comme ça. Yeah, celle-ci. Et ben en fait, si j'appelais la fonction ici, dummy, et que je passe C, c'est ici, c'est une copie. Dans la fonction, là, ça serait une copie de C qu'on aurait. Donc, je modifierais jamais C. Tandis que si je mets ça, et que je passe une référence, c'est-à-dire un pointeur sur la celle C, à l'intérieur, ça sera C que je vais modifier. Le vrai C, celui-là. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, les pointeurs. Et c'est plus léger. Du coup, on fait une nouvelle cellule. Ensuite, on... Est-ce que j'ai un set pour le changer? Oui, on va... De base, elle est quoi? Elle est pas morte. De base, on va la mettre morte. Miss alive est égal à false. De base, on dit qu'une cellule est morte. Hein. Donc, on fait comme ça. Ensuite... Faut que je lui donne une position. Faut que je lui donne une position. Ouais. Sachant que. Alors, on va faire une grosse fenêtre déjà. 1300 par 6. C'est quoi les résolutions standard? On va commencer par une résolution standard. Pour essayer de voir un peu plus que, un peu mieux ce qu'on va y faire. ...1366, ça c'est la résolution de mon ordi portable, 1366x768, c'est de l'HD, un poil plus que de l'HD, on va commencer par ça. Ok, donc là, normalement, si on compile, ça casse rien du tout, ça casse rien du tout, donc normalement, on a une jolie, voilà, on a une jolie fenêtre de 1366 par 768. Maintenant, il faut qu'on remplisse toutes les cases, enfin tout notre tableau. Ah, je me pose la question. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qui va être le plus rapide? Ouais, carrément. Là, je suis en train de faire de la caca. Je suis en train de faire un petit peu de la caca parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un tableau à deux dimensions dont on va avoir besoin. Je suis ultra prêt. Donc, en fait, on va faire un vecteur de vecteur de sel. Voilà, c'est de pointeurs sur cellules. Donc un tableau, deux cellules, enfin de pointeurs sur cellules. Normal. Tout simplement parce qu'en fait on va avoir besoin de deux axes. On a l'axe des X et l'axe des Y. Et du coup ça va pas du tout. Enfin, j'ai réfléchi. Je l'ai fait une fois, mais je me souviens plus comment j'ai fait. C'est quoi un tableau? Bah imagine en mémoire. Des cases, plein de petites cases, et tu les mets toutes à la suite. C'est ça, un tableau. Sauf que comment tu fais un tableau à deux dimensions, sachant que la mémoire, elle est linéaire? Il faut faire un tableau, deux tableaux. Deux trucs. Putain, je suis en train de m'auto-brainfuck, là. Oh, comment j'avais fait ça? Bonsoir Rick et Mandrake, comment j'avais fait ça déjà? Ah le con, je crois que j'ai pas besoin de ça en fait. Parce que une liste. Je réfléchis comment je vais pouvoir le dessiner en fait, c'est le souci. C'est comment je vais dessiner mes trucs, sachant que la position sera définie avant, du coup j'ai même pas besoin de ça en fait. Là je vais faire mon nombre de cellules, c'est ensuite qu'il va falloir que je fasse un double tableau pour pouvoir le positionner correctement. Ok. Là, je suis mieux. Donc, on fait bien ça d'abord. Ensuite, on fait aléatoirement, on va changer le truc. Donc, on a besoin d'un peu d'aléatoire. Alors ça, je me souviens plus. Oui, c'est cool, le C++, moi, j'aime bien. Aléatoire, C++. Je me souviens jamais de comment je le fais. Si, je me souviens, il faut que j'inclue time et rand. Je me souviens plus. Il y a juste un bout de colle. Je suis sur quel logiciel? Je suis sur Sublime Text. En gros, c'est un éditeur de texte, tout simplement. Bon, de base, c'est un éditeur de texte, mais on peut rajouter plein de trucs qui permettent c'est des trucs qui sont faits pour coder, en fait. C'est ça, stdio.h, stdlib.h. Donc, quelques includes à rajouter, évidemment. Donc là, on va faire l'aléatoire. On va initialiser l'aléatoire parce qu'en fait l'aléatoire dans une machine informatique n'existe pas. Du coup on se débrouille pour simuler l'aléatoire
Faut imaginer que l'aléatoire dans un ordinateur, c'est une chaîne de nombres. Une chaîne de nombres qui ont l'air aléatoire, sauf que si vous commencez toujours à 0, genre par exemple, si là on mettait à la place de time null, on mettait 0, la chaîne serait toujours la même. Du coup, c'est un peu courant, du coup, à la place de mettre 0, 1 ou quelque chose comme ça, on utilise le temps. Donc en gros, à chaque fois que je vais lancer le logiciel, il va utiliser le temps courant de la machine, pour, enfin la seconde courant de la machine, comme début de chaîne aléatoire. Du coup, normalement, ça fait de l'aléatoire. Du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, normalement, là, c'est bon, je peux appeler l'aléatoire. Donc on va faire if rand. Rand qui donne. Attendez, hop. Rand qui donne un nombre jusqu'à l'infini, je crois. Enfin, qui donne rand max, qui est une grande valeur, entre 0 et grand max. If rand inférieur. Modulo 5, donc c'est une division euclidienne, c'est-à-dire le reste de la division. Modulo 5, c'est pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de cellules vivantes. Allez, modulo 20. Supérieur. Que je fais de la merde là. Ça veut dire une chance sur 5 d'être vivant. Étant donné que ça va être en 0 et 4. On va faire ça comme ça. Allez, une chance sur 5 d'être vivant, ça devrait aller. Et donc là, on appelle sur notre cellule C. On va l'appeler reverse. C'est quoi c'est... Elle s'appelait comment la fonction que j'avais faite? Reverse state pour la mettre vivante. Allez, hop, reverse state. Voilà, donc là, normalement, il faut que je le push back. Ensuite, on a notre vecteur TMP. Je vais lui ajouter push back. Donc, on va ajouter à la fin du truc la cellule C. Ok. Donc là, on a notre paquet de cellules. On pourrait éventuellement, on va même le faire. Donc là, hop, on va virer ça. On va faire vecteur de cellules, de pointeur de cellules V. C'est pas très joli, mais bon. Ah si, on va l'appeler list. Allez, quand même. On va l'appeler un peu quelque chose correctement. Est égal à generate list cell. Et on va mettre 200 cellules. On va mettre 200 cellules. Et là, on va appeler une boucle for qui va tout simplement... Toc, toc, toc. Je vais pas utiliser l'itérateur. On va directement... Ah non ! Voilà, X. On va directement draw, dessiner nos cellules. Alors attendez, hop, c'est list.size sur... On va aller de i allant à 0 à... De 0 à la taille de la liste. On va l'appeler sur list. Ça permet d'accéder à... Voilà. Là, par exemple, on va accéder à la i-ième case du tableau. Et on va avoir besoin, non pas de la référence sur le... sur la cellule, mais sa valeur. Du coup, on met une étoile devant pour dire qu'on prend sa valeur. On compile tout ça, il me dit qu'il y a une erreur. Parce que c'est un pointeur dont j'ai besoin. Égal à new... Vecteur, je fais de la merde, je fais de la grosse merde. On va avoir besoin de le faire ça sur deux lignes, parce que je crois que je peux pas le faire comme ça. Vecteur. Voilà, donc là on crée notre liste sur cette ligne là. Avec un new vector comme je vous ai montré quand on fait des pointeurs. Et là. Ah oui, mais il faut que je sache que si c'est vivant. On va... If. Alors hop, on va faire ça comme ça. Is alive. Je vais écrire ça comment? Get state. Donc si on dit qu'elle est vivante. Bon, ça c'est pas obligé le égal true, mais c'est pour vous montrer. On dessine. Hop, je peux me. Mais non, mais putain, ça fait deux fois que je le fais. Ça fait deux. Hop, pour réduire un petit peu, je suis pas obligé, quand il y a une ligne juste en dessous d'un if, on n'est pas obligé de mettre les brackets qui permettent de définir la zone. Donc en l'occurrence, par exemple, ici, je suis pas obligé. Mais si j'avais plusieurs lignes, je suis obligé de le mettre. Non, ça marche pas. Attendez, quoi? C'est un pointeur. J'ai oublié ça. Wow. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, c'est ça. Ah, pff. Très bien, il me fait chier. Plein d'erreurs. Bah oui, du coup, c'est plus ça, c'est un point. Attendez, quoi?
Base opérante of A has no pointer type std vector cell. Allez, c'est bizarre ça. Liste de i. Pourquoi ça marche pas ça? Pourquoi ça ne marche pas? C'est bien une liste qui est un pointeur sur. Putain! Ok. Et moi? C'est moi. Quoi? Ok. Quoi? Je change un pointeur et mon écran devient rouge. Ça arrive tout le temps, ça. Hein. Là, c'est mieux. Parce que c'est la valeur de la liste dont on va chercher la valeur de la cellule. Mieux. Ouais, je suis un peu teubé aussi, ça m'arrive. Alors, il n'y en a qu'une. Ah oui, mais j'ai oublié de les positionner ailleurs. C'est normal, j'ai oublié de les changer de position. Parce que là, pour le coup, il y en a plein, elles sont toutes au même endroit. Du coup, on va faire de nouveau une boucle for. On va continuer d'aller sur le nombre de cellules et on va faire des rounds. Elles vont se rentrer dedans si je fais ça. Donc j'essaie d'éviter que les cellules se cassent la gueule, se rentrent dedans les unes contre les autres, parce que c'est justement ce que je veux éviter. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire une exclusion de position? Putain, je l'avais fait une fois. Je commande pas mon code. Si, je devrais. Mais bon, comme là, normalement, je finis en 3 heures le truc. Je devrais pas avoir de besoin. Et puis, non, je suis plutôt... Ça va. C'est lisible, mon code. C'est pas non plus comme s'il était horrible. Je devrais. Mais là, notamment, je fais les explications en même temps. Donc, je perds pas mal de temps. Du coup, voilà. Je le commande pas. C'est pas bien. Ne faites pas ça. C'est pas bien. Nombre de cellules. Attendez, je réfléchis. Parce que directement, je pourrais faire un truc du genre... sachant qu'on a des cellules 25... Calculatrice. Toujours avoir une calculatrice à côté, c'est important. 1366 divisé par 25. On en a 54,64. Donc 54 cellules disponibles sur la ligne. Donc ça voudrait dire que... Ah, attendez, c'est X. Int X... Ah ouais, voilà. Reviens là au bout d'un droit, toi. X est égal à rand modulo 54 et int Y est égal à rand modulo. Et là, c'est 768 divisé par 25. Si on considère des trucs de 25, c'est 30. Donc là, on a nos maximum, enfin, on aura nos de x et y, sachant qu'il faudra que je multiplie par 25. Donc par exemple, si je fais TMP de i. Ah oui, mais c'est un. Oh là là, ça va être chiant aussi, ça. I. Ensuite, cette position. Position, pas potion. Cette position. C'est un vecteur de f. De float, ça pourrait être un vecteur de i, mais c'est pas grave. Ça serait x, non, x d'abord. X fois 25, y fois 25. Ou je vais peut-être réduire à ça, parce que ça sert à rien d'avoir un multiple pas bon. 1360, 25 fois 54. Je devrais savoir le faire de tête. 1350 et 25 fois 30. 750. Bien, nous avons les deux. Hop, là ça doit être bon. Non, je me suis encore planté, bien. Mieux. Voilà, nous avons nos petits cubes. Il y a un souci. Attendez. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui sont décalés. C'est peut-être parce qu'ils sont de la mauvaise couleur et que c'est dégueulasse. Mais clairement, mes petits trucs sont immondes là.
Le truc, c'est qu'il faut qu'ils évitent de se rentrer dedans si je tombe deux fois sur le même. Ça sert à rien en fait, deux cellules ne peuvent pas être au même endroit. Faudrait que je fasse des paires et que je vérifie les paires. Je me souviens plus comment j'avais fait ça. J'avais fait un truc plutôt intelligent pour éviter que deux blocs se retrouvent au même endroit. Remplis tout l'écran, tu verras vite si y a la superposition, j'avoue. Bon, ça va être tellement difficile. Là, c'est toujours. Ouais, division par zéro. Mais là, on peut pas aller voir les superpositions, mais. Je vous assure, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui se rentrent dedans. Regardez ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Vingt-cinq. J'ai pas de souci d'alignement. Mais c'est pas le souci, c'est en fait. C'est vraiment. Il y a possibilité qu'ils se rentrent dedans. C'est deux cellules. Quand je vais faire mes tests, ils vont se rendre compte qu'il y en a un au-dessus et un en dessous. C'est bizarre. Je suis en train de faire de la grosse merde. Plus ça va, plus j'ai l'impression de faire de la grosse merde. Putain. Est-ce que je triche et je sors mon ancien code? Putain, ça va chier. Ah. Bon, j'ai trouvé pourquoi. Hein. Moi, j'avais mis un 24, évidemment. Là! Si tu mets un contour, tu verras vite s'il est recouvert. Mais une couleur fixe aléatoire, tu. Ah ouais, bah oui. En fait, c'est. Je pense que j'ai l'impression qu'ils sont en escalier. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression. Est-ce que vous avez cette impression? Je pense que j'ai l'impression que c'est en escalier tout simplement parce que c'est des couleurs bizarres. Si je mettais que du blanc, on va changer ça rapidement. Oui, salut à tous ceux que je n'ai pas vus là. C'est carrément plus droit. Tu vas tout droit. Ah ben c'est marrant, c'est moi qui ai les yeux. Voilà. Ok. Donc là, nous avons ça. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on a notre liste. Ah ouais, je me souviens de comment j'avais fait cette histoire et en fait, j'avais triché. Je n'avais pas fait de cellule. J'avais directement colorié le truc comme ça. D'ailleurs, j'avais passé contrôler pour sélectionner l'occurrence. Oh, c'est cool ça, je me souviens pas. Ah oui, d'accord. Banane, oui, je sais. Tu viens de me rappeler ton pseudo à la con. Donc, j'avais triché pour ça. J'avais triché, je n'avais pas fait de cellule. Du coup, comment je marche? Voilà. Ah! C'est vrai qu'en trichant avec les cellules, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, là, il va falloir que je me démerde pour faire un parcours sur le truc, ne pas tomber sur la bonne. Ok, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, non pas du tout. Je surcharge. Ouais. On va faire ça comme ça, on va appeler directement, on va aller chercher un truc qui permet de gagner le. Enfin, qui permet de récupérer le truc. J'ai chaud. Hop. SF vecteur de F. Donc on va faire une sorte de surcharge, une fausse surcharge de get position. Donc on va appeler get pose qui va nous permettre. Et cette pose. Ah, attendez, je dois pouvoir le faire autrement en fait. Je vais essayer de faire en sorte, là pour le coup, de pouvoir avoir la position des. Des carrés, des rectangles, là je voudrais faire en sorte de pouvoir l'avoir et d'éviter de. Enfin, de pouvoir faire des corrélations et chercher s'il y a déjà. J'ai déjà un bloc à ce niveau-là. Parce que je vais en avoir besoin, ne serait-ce que pour la fonction qui permet de savoir quand est-ce que je dois changer. Enfin, est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il y a une cellule à côté? Est-ce qu'il y a une cellule pas à côté? Du coup, on va faire ça comme ça.
Ou alors mieux. Ah oui, c'est pour ça que j'avais réfléchi à cette histoire de deux vecteurs. Oh, c'est brouillon ce que je fais. C'est sans doute le truc le plus brouillon. Là, j'ai imaginé un truc. Soit je passe par la recherche de position, c'est-à-dire que je stocke le quoi le. Je stocke la position dans la cellule directement et je fais des recherches dessus, c'est-à-dire que je fais à chaque fois, je parcours la liste des cellules et je recherche s'il y a des cellules. Soit je fais un double vecteur que je sais qu'il est en permanence totalement rempli et toutes les cellules mortes, elles sont là en fait. Elles sont là, elles sont à leur position. Genre par exemple, le vecteur en X, enfin par exemple en 0, 1, on peut savoir si. En 0, 1. 0, 1, donc c'est plutôt là. On peut savoir si. J'arrive pas à savoir si je mets le. Mais c'est ça. 0, 1, on peut savoir si son voisin est vivant en augmentant sur son vecteur. Et en checkant son vecteur. Ouais, ok, on va faire ça comme ça. Donc on va faire un vecteur de vecteur. Ok. Non mais non. Je fais le truc le plus brouillon du monde. Désolé. Alors, du coup, on va faire un truc. Parce que là, du coup, il va falloir deux boucles forts, évidemment, parce que le nombre de cellules, il faut le diviser en deux. Donc, il faut faire un modulo avec... nombre cell, qui est le nombre de cellules. Ah, attendez, bah, du coup, on va rechanger cette fonction à la con. D'ailleurs, je fasse ça. Alors, parce que du coup, il nous faut des sous-vecteurs. Donc, il faut commencer par i, qui n'est pas le nombre de cellules, mais bien le nombre de cellules. x25, on commence par x, c'est rho major. Attendez, rho major, c'est plutôt y. Rho, c'est les lignes. Donc, c'est x25. Modulo. Attendez, nombre de cellules. Si on prend 200 fois 25, il y a le modulo sur cette putain de calculatrice. Modulo, on a dit combien? 30? 166? Pas possible. On peut pas caler 166. Attendez, comment? Il faut que j'arrive à compter le nombre de cellules, donc le nombre de lignes dont on va avoir besoin. Non, c'est juste moi, un nombre de cellules. Ça fait un nombre de cellules. Mais non. Mais je suis con. Mais moi. Il suffit de savoir 30 en fait. Parce que c'est la taille. Donc c'est 750 divisé par 20, par 25. On va faire ça autrement. On va faire ça à coûte constante. Define 8. C'est moi qui ai fait ting, hein, si vous vous posez la question. Define width 1350. Attendez, c'est comme ça, width? Je crois. Bon, si je fais des fautes, hein, dites-le moi. Donc, ça serait plutôt genre. Divisé par bah, du coup la taille des cellules, faudrait que je change ça, peut-être que je vais mettre en constante. Donc on commence par row, ça c'est ça. Ensuite on fait avec des J. Contrôle D, tu dis. Ah oui, nickel. Merci pour le follow, Captain Catapult. Alors, donc ça c'est width divisé par 25. Donc évidemment, il faut faire à chaque fois un vector de cell. Celle est devenue parfaite. Hop. Voilà, nous avons notre vecteur de cell. Ensuite, on va pouvoir copier cette partie-là.
Hop, new cell, et on le push back non pas dans TMP mais dans V, et c'est ensuite qu'on push back dans TMP. Ah oui, mais c'est un pointeur, donc du coup j'ai juste ça à faire, push back. On push back non pas C mais V. Donc celle-là, ah oui, mais du coup il faut... Mais non, on a ça, on a plus rien à foutre en fait. Parce qu'il suffit de savoir, on peut directement le faire en cette position ici. Donc par exemple, si je fais C, on est en IJ, qui sera multiplié par 25. Du coup, je peux juste faire ça. Ouais, c'est ça. J'ai juste à copier cette ligne-là. Je la mets ici. Et là, à la place de XY, je mets IJ. Et c'est pas beau ça? Bon, évidemment, ça va pas retourner la bonne... gueule de... Voilà, faut que je fasse ça. Vecteur 2, tel. J'ai un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, c'est en bleu, c'est pas la bonne couleur. Vecteur 2, cell, étoile. Et list égale new vector de cell. Pas bien. Il va me dire que c'est de la merde. Ah oui, parce que ça, c'est un point. Ça, c'est un... Parce que c'est un cell étoile. Ok, je commence à régler un peu les problèmes. Il y a plein de rouges là, évidemment. Ok, c'est d'accord. C'est ça qu'il faut mettre. C'est des doubles... Ok, c'est mieux. Des fois, ça sent un peu le caca. Voilà. Et évidemment, ici, il faut que je vire les erreurs parce que sinon, ça... Ici, du coup, c'est plus bon parce que c'est... il faut pas juste une boucle fort, il faut deux boucles fort. Et du coup, c'est plus list, c'est... Si, c'est list.size et ensuite, c'est list de i. Ah, mais du coup, là, j'ai fait un i de trop, donc c'est j. Donc ça, ça va pas aller, il faut juste ça. C'est quoi l'extension pour afficher les erreurs dans ton code? C'est pas une extension, tu fais juste CTRL-B quand t'as une... Quand t'as linké genre un makefile à ton truc, si tu fais CTRL-B, ça te donne toutes les erreurs et tout, et ça compile directement en fait. Ça te donne les erreurs en plus. Hop. Mais il faut linker un makefile. Mais tu peux le faire en mono compilation. Hop, get state true. Donc normalement ça devrait passer, en tout cas cette première partie, ok. Linter, le nom du module, bah, c'est installé de base normalement dans Sublintext, hein. En tout cas moi c'était installé de base. Hop, du coup le if était plus au bon endroit, ça c'est bon, enfin presque bon. Alors, est-ce que là c'est pas mal? Ah oui non, il manque un truc, là il manque... Ah oui, c'est un point size. Pas sur Atom, mais oui, mais il y a que des trous du cul qui utilisent Atom. Ok, du coup, je vais peut-être mettre ça parce que sinon il va me dire nec ta mère, mange tes morts. Atom ça pue. Je suis totalement d'accord avec Captain Catapult. Donc là, j'y suis presque. Donc là, il nous faut I, J, pour la deuxième partie, évidemment. Et là, c'est I, J. Ah ouais, 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 ça va être là, ça va être bizarre. Sans doute le truc pour lequel ça fait que c'est hyper dégueu. Et ça passe! Je vous avais dit, je suis plutôt balèze. ça, c'est le truc pour lequel ma technique est vraiment dégueu, c'est à cause de ça. C'est pas exactement ça que je voulais. Nous avons un problème, Houston. Est-ce que je remplirais simplement dans le mauvais sens? Ah mais ça c'est toujours vrai ou presque, du coup 5. Mieux! Qu'est-ce que vous en pensez? Mais mieux! C'était juste rempli dans le mauvais sens. Et du coup c'est un peu moins bon là, il y en a un peu plus. C'est pas mal. Du coup maintenant il va falloir qu'on fasse l'histoire du tick, parce que le Game of Life, bah, c'est en fonction d'un tick. En gros vous avez votre liste de cellules.
Et il faut qu'au prochain tic d'horloge, ça peut être un temps défini, il y ait toutes les fonctions, enfin tout le machin bascule d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez pas genre prendre la cellule, appliquer les règles à la cellule et passer à la suite, etc. sur le même vecteur. Vous êtes obligé de faire un autre vecteur. Oui, je suis vraiment balèze et là, bam de carré. T'inquiète, je fais toujours ça. Du coup, on va appeler. On va faire une nouvelle fonction qui va être un peu comme celle-là, qui va prendre en paramètre l'ancienne fonction. Donc l'ancienne fonction, l'ancien vecteur. On va appeler src. Et qui va. C'est une fonction qui va. Qui va faire. Là, on a une génération de liste. Il nous faut que. Comment on pourrait l'appeler ? Next tick list, on va appeler ça comme ça. Allez hop, next tick list. Qui va faire. C'est là qu'on va appliquer les règles de fonctionnement en fait. Donc. If. Non, il faut faire un double boucle for. Enfin, déjà, il faut qu'on génère une nouvelle liste. Ça va être la liste suivante, ça en fait, ce qu'on va la retourner derrière. Et c'est là-dedans qu'on va appliquer nos règles. Et du coup, j'ai peut-être un peu chié dans la colle en faisant ça. Ah non, ça c'était bon en fait. C'est juste moi que j'ai inversé les... Parce que ça c'est bien width et ça c'est bien height. Ça marche comme ça. Du coup, c'est là, il va falloir, mettre nos trucs. Il va falloir compter... Il va falloir lire sur la... comment ça s'appelle ? Il va falloir lire sur src. Donc ça va être src ici. Size. Commencer par ça. Et ensuite, c'est list i.size. Donc, il va falloir qu'on lise là-dessus. Ok. Donc là, nous avons notre double boucle. Et c'est dans cette partie-là, hop, que va falloir qu'on change les trucs. Sachant qu'en fait, on va pas faire ça. Non, hop. Voilà, c'est ça. C'est cette zone-là qu'on va devoir changer. Donc, nos règles. C'est... Automate cellulaire, c'est... Si la cellule est vivante et entourée par deux ou trois cellules vivantes, elle restera en vie à la génération suivante, sinon elle meurt. Donc là, on va générer la nouvelle génération, donc il faut qu'on calcule nos trucs. Ah oui, c'est des pointeurs de cellules. Il va falloir que je fasse des copies, du coup. Du coup, il faut que je fasse une nouvelle cellule. Pas que je récupère l'ancienne. Faut que je la détruise au passage. Ouais, ok, on va faire ça. C'est des pointeurs de cellules. Ça... C'est un peu chiant, mais du coup, ça... En fait, j'ai l'impression que je me suis pas du tout facilité la tâche au fur et à mesure. Mais tant pis. Donc, on a notre nouvelle cellule. Il va falloir lui donner la position. Donc, sa position, c'est celle de la cellule courante. Donc, ça sera... Putain, c'est ça, carrément. Ou alors, je vais essayer de faire ça plus simplement, tout simplement. En prenant que cette partie-là. Donc, on va enlever ça. Get position. Donc là, ça, elle récupère exactement la même position que l'ancienne cellule de la liste. Mais il va falloir qu'on détermine son state, son état. Donc, pour ça, on va faire un truc... À coup de pas mal de if, donc on va commencer par faire un compteur in count neighbor underscore neighbor. Je sais pas écrire neighbor pour voisin. Nye. On va commencer à 0 évidemment, et là on va compter les voisins. On va pas compter les épaules, qui est une stratégie de merde pour draguer. On va compter les voisins. Le tout, c'est de ne pas dépasser certaines conditions. Le truc des tableaux, c'est que si on sort des maximum et des minimum, ça part en couille. Ça part en couille, ça s'écrase, le jeu, enfin tout plante. Donc du coup, c'est pas bon. Donc là, il va falloir compter if. On va commencer par le coin en haut à gauche. Il va falloir faire tous les tests en fait, ça va être chiant. If. Ah oui, puis c'est là-dessus qu'il va falloir faire les tests. Hein ?
va être chiant. Ou alors, on va faire ça autrement. Old cell, on va l'appeler comme ça. J'essaie de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On va faire ça plus simplement parce que sinon ça va être vraiment relou. Garder le pointeur sur la vieille cellule. Ça sera carrément plus simple. Ok. Old cell. Ah oui, mais non. Ah, mais non, ça va même pas marcher ça, cette histoire. Donc. Ah oui, mais si, on va en avoir besoin un petit peu. Donc, si une cellule est vivante. Donc, if old cell. Old cell, j'ai dit. Get state. Donc ça, ça permet de savoir si elle est vivante. Si c'est vrai. Donc si elle est vivante. Là, on va pouvoir... va falloir compter les voisins. Ah mais non, mais ça le fera à la fin. Ok, donc là, je vais faire autre chose. Oh, putain. Vous savez quoi, je suis en train de me perdre. C'est la première fois que je code en live, c'est vraiment l'enfer. C'est pas facile. Il faut que ce soit... vivante et entourée par deux ou trois cellules vivantes. Supérieure. Alors, supérieure ou égale à 2. Et. Et count neighbor inférieur ou égal à 3. Donc ça veut dire que c'est entourée par deux ou trois cellules vivantes. Donc là, ça veut dire que la prochaine cellule, elle reste en vie. Donc ça veut dire que. C'est reverse state. Elle est quoi de base? Elles sont mortes? Elles sont mortes. Reverse state, du coup. On inverse son état, elle devient vivante. Je vais mettre un petit peu de ça. Règle numéro 1. Ok, règle numéro 1. LC. Faut que je vire ça, de toute façon ça sert à rien. Hop. Sinon... Sinon elle meurt. Ça veut dire que ça veut dire qu'elle garde son état de merde. Ça sert à rien, ce LC, parce qu'elle est déjà morte en fait. Et if, donc ça c'est la règle numéro 2. Yeah, numéro 2. Donc là pour le coup c'est le deuxième if qui concerne si une cellule est morte et entourée par exactement 3 cellules vivantes. And count neighbor est égal à 3. Et là, pour le coup, elle devient vivante. Donc là, nous avons nos deux règles. Maintenant, il faut compter les neighbors. C'est un peu plus la galère. Hop. Tuc, tuc, tuc. D'ailleurs, je vais réduire un petit peu la taille de la fonction. Ça sert à rien, cette partie-là. Comme je vous ai dit, s'il y a juste un truc en dessous du if, on peut le virer. Alors, compter les neighbors. Donc on va avoir besoin de ça dans tous les cas, parce que de toute façon je peux pas faire autrement. If. Alors attendez, on va faire ça autrement. I moins 1, parce qu'en fait c'est le souci, c'est les moins 1 et les plus 1. C'est quand on arrive au bord des... On peut faire rapidement la liste des voisins si on considère pas les bords. Le problème c'est que si on considère les bords, il y a les cellules, y a des cellules qui n'existent pas, qui sont à l'extérieur des tableaux, et c'est là où généralement ça plante. Donc si x moins 1 est supérieur à 0, supérieur égal, enfin i moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc là on peut le faire. Et ah mais non, j'ai juste à faire ça. I plus sachant qu'on est en quoi? On est en... Alors, i, c'est le premier. Plus 1 inférieur à src size. Il faut pas qu'on dépasse le src size du côté du i. Voilà. Juste ça comme truc. Et il ne faut surtout pas que j moins 1 soit inférieur à ça. Ah non, à 0. Putain, je suis con. Allez, donc il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Et il faut surtout pas que J plus 1, du coup, soit inférieur à ça. Enfin, il faut surtout que ça soit ça.
Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, ce sont nos conditions type dit limite. C'est les conditions de bord de tableau. Donc, faut pas les considérer. Ah oui, mais là, ça veut dire qu'on considérera pas nos limites. Bon, on va commencer par ça. Ça veut dire qu'il y aura quelques erreurs qu'on pourra corriger après. On va déjà voir si ça fonctionne. Donc là, il va falloir compter les neighbors. Donc, if... Allez, c'est parti. On va avoir besoin de ça. Est égal à true. Donc si lui-même est égal à true, c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est le quoi en haut à gauche. Il a 8 voisins. Ah non, c'est en haut à gauche, c'est moins 1, moins 1. Si moins 1, moins 1 est égal à vrai, on va commencer, on va count neighbor plus plus pour dire on va augmenter d'un. Ensuite, bah, c'est parti, hein. C'est parti mon kiki, on a 8 voisins à faire comme ça. Je pense qu'il n'y a pas trop... On peut pas y couper dans tous les cas. On va commencer par ça. Donc là, on est au-dessus. Il faut tous les faire. Sachant qu'il y aura les moins 1 et les plus 1. Il n'y a pas lui-même. Pas oublié. Donc là, j'ai moins 1, moins 1, moins 0, moins 1, moins 1, 0, plus 1, plus 1. Ah, je dois en avoir plus que ça, c'est bizarre. Ah oui, j'ai les plus 1, moins 1 aussi, putain. Donc on va commencer par faire les exactement les mêmes. Donc là, plus 1... 0 plus 1, et là c'est moins 1 plus 1 plus 1 plus 1 moins 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça, j'en avais 9 de trop. Voilà, donc là nous avons fini nos règles à ceci près qu'il y a des légères problèmes de limite. Liste c'est SRC. Bien. Wow. C'est putain de merde. Hop, c'est juste parce que j'étais pas sur un pointeur de la cellule. Ah ! J'ai oublié un truc. J'ai oublié ça. Wow. C'est parce que c'est pas le bon truc. Que c'est un putain de... Les bonnes erreurs. Hein, quoi ? Alors attendez, invalid argument de funari, have bool. J'ai un problème de type. De type type. Ça, c'est une cellule complète. Non, c'est pas un pointeur sur la cellule. Du coup. Ah putain, fichier. Donc là, c'est. C'est parce que j'ai ça en trop, quoi. Ouais, c'était ça. Ok, donc là, normalement, on a nos voisins. Donc là, il faut que j'utilise l'histoire des horloges pour pouvoir faire un tic. Gérer le temps. Voilà. Hop. Donc, on va faire une clock. SF clock, qui est une magnifique horloge. CLK. Voilà. On va utiliser ça pour faire le temps, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, on va utiliser ça. Donc là, il faut qu'on fasse la condition de changement, le tick. Donc en gros, si CLK, normalement, ça, elle part tout de suite.
Ouais, c'est ça. Si c'est le cas, restart. Non, mais non, c'est pas un pointeur. Restart qui permet de relancer l'horloge, qui renvoie le temps. Et qui renvoie le temps, on va le renvoyer en secondes. Comme ça, on va commencer par faire ça avec, avec des secondes. Super à 1, donc ça veut dire que si l'horloge a été restart, il y a plus d'une seconde. Enfin, elle a duré plus d'une seconde. En fait, l'horloge, plus simplement, c'est un compteur de temps qui commence à 0 et qui continue du moment qu'elle n'est pas arrêtée. Du coup, si... Quand on restart, elle renvoie le temps qui est écoulé. Si ce temps écoulé... Ah mais non, ça sert à rien. C'est moi, parce que du coup, ça voudrait dire qu'elle se restart tout le temps. C'est de la merde. Si le temps écoulé, c'est plus intéressant comme ça. Si le temps écoulé en seconde est supérieur à 1, bah déjà, on va CLK restart. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'on va la reset. Mais surtout, 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 on va utiliser cette fonction. Donc, nextTickList. Donc, ça veut dire que list est égal à nextTickList de list. Waouh. Ah. As seconde. Ah, c'est as seconde. My bad. Hey. Ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons quelque chose. Déjà, on va accélérer un peu le temps pour voir le... Je me suis un petit peu mis des bâtons dans les roues quand même. Il y avait carrément moyen de le faire plus simple, mais bon, tant pis. Hein. As milliseconds. Supérieur à toutes les 100 millisecondes. Ça ne bouge pas beaucoup, c'est pas censé bouger ça. Enfin si, c'est censé bouger, c'est des planeurs, c'est censé faire quelque chose. C'est mon automate cellulaire qui est pas bon. C'est mes règles qui sont pas bonnes, je pense. If celled get state est égal à true, donc si la cellule était vivante... Ah et c'est ça qui va pas. Non, c'est bon. Ah, c'est ça qui va pas. Et ben voilà! Moins de 3 heures! On est encore combien sur le live? Tout le monde s'est barré? Ah si, il reste des gens. Moins de 3 heures et nous avons un Game of Life qui fonctionne. Bah nickel! Tranquille? Donc on voit des structures qui sont dites stables. Genre les carrés, c'est stable. Celle-là, les fleurs, je crois que c'est stable aussi. Là, on a des structures qui sont dites semi-stables, je crois. Avec juste deux tics de comment ça s'appelle de fréquence. Et il existe des structures qui sont carrément beaucoup moins stables. Genre celle qu'on voit ici, là. Tout ça, c'est pas stable du tout. Tout ça, c'est pas stable du tout. Il existe même des structures qui sont avec des cycles et qui peuvent avoir l'impression de pas être stables. Genre, par exemple, des structures où elles ont des cycles de plus de 60 secondes, de plus de 60 ticks, mais elles sont semi-stables. Et on voit que c'est le bordel. Hein. Et ça, c'est juste avec des règles toutes simples. Hein. C'est vraiment, on a fait des cellules et c'est parti. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est augmenter un petit peu. On peut augmenter un petit peu. On va réduire la taille des trucs. On va mettre plus que 10. Pourquoi il était là, lui? Ah! On va mettre en 10 de taille. Ça veut dire qu'on a plus... c'est 751. Je vais faire un truc comme ça. Ça fait pas deux fois la même chose quand tu lances le truc une deuxième fois. C'est normal, totalement normal, parce que, comme j'ai dit, la position, enfin, l'état de base des cellules est jamais le même. C'est parce que c'est aléatoire. On utilisait rand pour dire que si c'était. Si elles étaient vivantes ou mortes au début. Sauf que ça, c'est de l'aléatoire. Et comme j'avais dit que l'aléatoire, c'était le temps qui était utilisé, le moment, l'instant T où je lance le programme, c'est différent. Du coup, on va mettre un truc genre size. C'est chiant. J'ai fait quoi comme symbole? Ah non, c'était pas ça.
J'ai fait un symbole à la con. Oh, je fais des symboles à la con. C'est quel clavier, ça? C'est des trucs nordiques, ça fait les trucs. On dirait du cyrillique, un peu. Define size, allez hop, est égal à 10, pour le coup. Pourquoi il était là, lui? J'espère qu'il n'y avait pas d'autres 25. Ok, donc là, j'ai réduit la taille des cellules, mais il y en a tout autant. Ah non, il n'y a pas... Si, vous n'avez pas tout autant, bien sûr, mais non, ça a augmenté. Du coup, là, il y en a plus, et on voit qu'il y a un peu plus de chance. Par contre... Ah, c'est plus chaotique. Il peut y avoir des générateurs. Je sais pas si on va arriver à avoir des générateurs. Faudrait que je trouve un moyen d'avoir des séquences. J'aimerais bien aussi voir un planeur. Je vais peut-être réduire la fréquence de leur arrivée. Enfin, du fait qu'ils démarrent. Ça évitera qu'il y ait une surpopulation dès le début. J'aimerais bien avoir un planeur ou un truc comme ça. Des trucs, des formes de vie qui arrivent. Dis-moi que tu peux faire un planeur, toi. Dis-moi que tu peux faire un planeur. Non, ça a pas l'air. Ça bouge pas beaucoup. Mais vous voyez, tant que c'est pas fini, hein, il peut encore repartir des trucs. Hein. C'est rigolo, cette histoire. Ah, planeur, planeur, planeur. Et hop, il va rentrer en collision. Et hop, ça va se générer un truc. Je trouve ça assez fort, quand même. C'est des règles toutes connes. Il y a deux règles. C'est juste un peu chiant à programmer avec des cellules, mais il y a juste deux règles, quoi. Et ça fait ça. Je trouve ça complètement ouf. Ben voilà. Et il est même pas 22h. Un peu moins de 2 minutes. Et c'est pas fini, hein. Je trouve ça fort, je trouve ça super fort. Allez, je vais vous zoomer un peu. Oula, oula, oula. Attendez, j'ai une 1080 Ti, un i7-8700K, comment il peut être en PLS ce PC? Bah, c'est une machine virtuelle, je sais, mais waouh. Je crois que ça... Ah! Je sais pourquoi ça fait ça. On va regarder un truc, fuite de mémoire. Il y a une fuite de mémoire, c'est totalement ça. C'est totalement ça, il y a une putain de fuite de mémoire. Ah, l'enfer! Arrêtez tout! Je sais où elle est en plus. Ah. Contrôle C, abort, abort mission. Ah. Attendez, je peux... Ah, j'espère que la fuite de mémoire... Normalement, elle disparaît, les fuites de mémoire, une fois que... Waouh, waouh, waouh. Est-ce que j'ai niqué mon PC de ouf? Ok, je sais où j'ai niqué mon truc. Il faut que je fasse un fonction. Void. Oula, oulala, oulalala. J'ai l'impression d'avoir niqué mon truc de ouf. En fait, c'est ici. Quand je crée mes nouvelles cellules, je détruis jamais les anciennes. Sans étonnant, t'as fait une vidéo très intéressante à ce sujet de deux devis. Eh oui, et je l'ai mis dans les commentaires de la... Enfin, non, je l'ai linké dans la vidéo de... comment ça s'appelle dans la vidéo où je annonçais le live ce soir. Relance la VM. Je devrais relancer la VM. Je pense que je vais faire ça. On va commencer par ça. Est-ce que je la relance en mode bourrin? Ouais, je la relance en mode bourrin. Le PC est niqué. Allez, hop. De toute façon, je vais sauvegarder. Ouais, je t'ai dit de relancer. Délète la VM et recommence. Nickel. C'est ça, j'ai que ça à foutre. Ouais, niqué. Complètement niqué cette VM. Ouais, mais je suis d'accord, snapshot, mais très honnêtement, en fait, je me sers jamais de mes VM à part pour coller et puis. Voilà, je suis... Je suis pas ultra à l'aise, en fait, d'une manière générale. Enfin, je sais m'en servir. T'as bien vu, ça va, je sais configurer une VM et tout, mais... C'est comme pour beaucoup de logiciels dont je me sers. Je suis pas ultra pro, quoi.
J'arrive à me reconnecter. Le bon Ubuntu super lent alors que je lui ai mis 4 cœurs, 4 gigas de RAM. Alors, je vais avoir mon terminal. Ça m'a l'air d'aller un peu mieux. Allez, on va pouvoir retourner en Game of Life. Bien. Void, delete. Delete. Cells. On va prendre ça en entrée. Hop. Double boucle. Faudrait que je fasse un truc dans. Dans ce cas, il y a un paramètre pour faire une snapshot toutes les X minutes. Oh. Oh, ça, ça peut être pas mal, ça. Donc, c'est 8. C'est pareil, ça. Ouais, attendez. On va éviter de nous casser les pieds avec ça. Normalement, ça, c'est 8 divisé par 16 et width divisé par 16. Mais bon, on va pas prendre de risque. Si un jour, je fais des manipulations de la con, parce que c'est tellement mal codé ce que je fais. Et donc là, ça serait delete de justement ça. Comment et quand t'as appris à coder? Alors, comment j'ai appris à coder? J'ai commencé à m'intéresser au code, j'étais en 5e, donc ça fait très longtemps, parce que là je suis en avant-dernière année d'école d'ingé. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser au code, j'étais en 5e, donc au moment où le site du 0 était encore le site du 0 et n'était plus Open Classroom. J'ai commencé à coder vraiment, c'était quand je m'intéressais à faire du modding sur Minecraft en 3e, donc c'était au moment où Minecraft commençait à explorer, et c'est là que je me suis vraiment intéressé à l'informatique, et j'ai essentiellement tout appris en autodidacte. Très clairement, le C++ ne nous a pas été enseigné en cours. On a appris le C, on a appris le Python un peu sur le tard, un peu sur le tard. En fait, je suis en études informatiques, mais on n'a pas vraiment eu de très gros cours des très gros cours de code. En fait, c'est plus on survole. Et j'ai envie de me foutre de l'eau partout. Je ne sais pas boire. Hop, donc voilà, c'est essentiellement d'autodidacte et d'intérêt sur ce que je fais. Est-ce que je détruis le SRC, sachant que ça renvoie à une nouvelle liste. Oui, je dois en vrai détruire SRC. Bonsoir, Chaotic Shade. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, mais non. Putain, mais je suis con, mais c'est... J'ai pas fini cette fonction. Ah, c'est CTRL D. Non, attendez. Je vais apprendre mon truc. Ça, c'est pas pratique, en fait. J'allais dire que c'était pratique le CTRL D, mais il faudrait trouver un moyen de puisse sauter. Comment je peux sauter des occurrences? Mais non, mais pourquoi j'ai mis D? Comment est-ce que je peux sauter des occurrences? D'ailleurs, je vous montrerai un truc pour les intéressés. Qu'est-ce que t'as loupé? Je viens de finir, en fait, l'objectif que je m'étais donné en 3 heures. Je viens de le finir, à peu près. C'est-à-dire faire un jeu de la vie. En moins 3... Non, ça, c'était une image. En moins de 3 heures, et eh ben je l'ai réussi. Et il faut que j'appelle delete set quelque part. Oui, je te plais ici. Ah putain, faut que j'appelle au-dessus. Faut que j'appelle au-dessus. Du coup, s'il me reste encore un peu de temps, je pense que je vais essayer de faire un autre algo. Ouais. Un autre algo de Game of Life. Là, normalement... Non, attendez. Je peux mettre un monitor. Monitor système. Voilà. Ressources. 1,4 gigaoctets. Je peux voir les processus. C'est le bash qui tourne. Ça doit être le bash. Non, ça doit pas être le bash. C'est lequel? Ah, c'est Gol.
Ouah, 15,58 mégaoctets, je pense que c'est bon, c'est stable. La fuite de mémoire a été régulée. Eh bien. Du coup, sur quoi... Quelles sont les fioritures sur lesquelles on pourrait s'améliorer? Là, en fait, du coup, il y a les coins qui sont pas bons. Les règles des coins, elles sont pas bonnes, parce qu'en fait, il faudrait que je les fasse... Je les fasse de manière unaire, c'est-à-dire que je commence par checker si le i-1 est bien bon. Que le i+1 est bien bon ensuite. Enfin bref, il faudrait que je fasse vraiment cas par cas à chaque fois. Parce que sinon il peut y avoir des cas où je ne vérifie pas dans les bords. Genre par exemple... Si j-1 égale 0... Parce que si... On imagine que je suis en bord de... Je suis dans le coin à droite. Enfin, sur le côté de droite. Je suis à J maximum. Donc je peux pas faire J+1. Mais je peux quand même faire J-1 et I-1 et I+1. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est faux. Donc tout est faux. Et c'est pas bon, ça. En fait, faudrait que je le fasse pour chaque... Faudrait que je le fasse au cas par cas. Enfin bon, c'est un peu un détail à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez un Game of Life fonctionnel, et honnêtement, je pourrais faire beaucoup plus court. Je pourrais faire un Game of Life fonctionnel en moins de 100 lignes, à peu près. Je dois pouvoir le faire en moins de 100 lignes, mais j'utilise pas les fonctionnalités du C++. Bon. Du coup, l'autre algorithme que je voulais essayer, c'est tu as fait une rediff sur YouTube demain, un boulot de Book 430. Ah, oui, il y aura une rediff sur YouTube. Il y aura une rediff sur YouTube, bien sûr. Elles sortiront toujours. Il y a la dernière rediff qui est sortie hier, je crois, qui était de celle de samedi. C'est un peu long, notamment quand il y a des trucs un peu pas libres de droit, le traitement YouTube est un peu long. Mais normalement, celle-là devrait arriver vite. J'espère que les musiques qui passaient derrière étaient libres de droit. L'autre automate, c'est l'automate le plus simple, l'automate en ligne en fait, qui est l'automate de Wolfram, je crois que c'est ça. L'automate de Wolfram qui est hyper intéressant et que je pense qu'on va essayer de faire. Ok, on va partir sur du Wolfram. On va faire carrément une nouvelle... On va faire carrément un nouveau dossier, c'est parti. Ok, je fais LS. Je vais faire ça. Ah oui, là j'ai l'algo de l'arithmétique. Ça, c'est un algo qui permet de faire une compression arithmétique. Bonsoir à toi, Rick et Mandrake. Et ça marche pas super. Enfin, si ça fonctionne, mais il y a des problèmes. Mais non, mais pff, crétin du cul. Ok. Main.cpp. Ok, je vais avoir besoin du makefile. C'est avec un grand M. On va copier les trucs. Je pourrais le faire autrement qu'à la main, mais tant pis. Ok, et le main.cpp, je vais copier une partie du main.cpp. En fait, j'aurais copié tous les fichiers. Je suis con, j'aurais copié tous les fichiers. Ah. Hop. CP. Goal. Dans Wolfram. Allez, c'est mieux. Ok, donc là, on a fait une copie de Goal dans Wolfram. Mais ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas? Oui, l'arithmétique, oui, ça fonctionne pas des masses. Donc là, on va garder des cellules. On va virer cette partie-là. Non, bah non, pas le delete cell, parce que j'en avoir besoin. On va réduire la taille drastiquement, parce que je vais avoir besoin de place. Regardez ça, il va falloir changer 2-3 trucs. Hop.
C'est pas du tout les mêmes règles. Alors, l'algorithme de Wolfram, c'est l'univers non trivial le plus simple qu'on puisse concevoir et consiste en une grille unidimensionnelle de. Bah, si, j'ai besoin d'une matrice parce qu'en fait, ça va avoir le temps. Vous avez une ligne de. En gros, ça c'est l'automativer, c'est vous avez juste une ligne, vous prenez une cellule et il y a les règles qui s'appliquent. Notamment, c'est la règle numéro 30 qu'on va essayer de faire, qui est vraiment intéressante, qui est une règle où en gros. En gros, quand vous avez trois cellules de vivantes, la cellule suivante est morte, c'est-à-dire la cellule du milieu suivante est morte. Quand vous avez deux cellules vivantes, une cellule morte, elle est morte. Quand vous avez deux cellules vivantes sur les côtés, une cellule morte, elle est morte. Quand il y a une cellule vivante à gauche, elle est vivante. Ah, bref, il faut aller voir sur Wikipédia, je vais vous le linker. C'est la partie exemple automate cellulaire les plus simples. Hop, je vous le link ici avec un peu de décalage. Et donc, en gros, ces règles-là, elles font un automate qui est vraiment cool. Du coup, on va commencer par ça. Je vais réduire la taille à 5 parce que voilà. Parce que je vais réduire la taille à 5, tout simplement. Donc, je vais virer ça. On va l'appeler autrement. On va l'appeler Wolfram. Parce que c'est Wolfram vu. Ok, cell, je vais avoir besoin de ça. Donc moi j'ai besoin de cell.cpp, je vais réduire leur taille à 5. Ok, ça c'est bien. Donc, il faut commencer par une seule cellule vivante. Ah mais j'ai besoin que d'un vecteur, ok. Donc pour la génération de cellules, j'ai besoin que d'une ligne avec une seule cellule vivante à un endroit. Du coup, on a besoin que d'un seul machin, donc on va avoir i inférieur à 1, tout simplement. On va faire un vecteur de cellule, le premier gros vecteur de cellule pour notre gros tableau, et on va lui donner width.size, ok, et au milieu, on le fera après, on va le faire mécaniquement, donc pas besoin de faire ça. On a besoin de buzzer la position, ok, et à la fin, on va mettre à... C'est quoi? C'est V de width divisé par size divisé par 2, donc à la moitié. On va lui reverse son état. Ok. Et ensuite, on push back TMP. Voilà. Donc là, nous avons notre premier truc. Avec une seule ligne. Parce qu'en fait, les lignes suivantes, ça va être le temps. En fait, ça va être l'état n. L'état n plus 1, n plus 2, n plus 3, etc. Maintenant, il faut faire notre état, notre fonction de notre système de règles. Donc, ça veut dire que on va push back. On va pas avoir besoin de ça. On va avoir besoin de la ligne n-1 et de la ligne n. Alors, on va avoir besoin de la ligne n. On va virer tout ça en fait. On va simplement virer tout ça, c'est. On va avoir besoin de TMP parce qu'on va avoir besoin d'un nouveau vecteur. Ah, on va même pas avoir besoin de delete src en fait. Ouais, on va avoir rien besoin de tout ça. Très bien. Donc on va avoir besoin de quand même de vecteur, d'un premier vecteur de cellule. Qui va être V, ça va être le prochain vecteur. Donc on va l'appeler TMP comme d'hab. Qui va être notre vecteur suivant, notre vecteur à n plus 1. On va l'appeler comme ça. Mais non, putain, je suis en train de réfléchir en même temps. Je suis en train de réfléchir en même temps. C'est une mauvaise idée. Ok, et donc on va avoir besoin de la ligne n-1. Donc vector. Je suis vector. On va l'appeler précède. Parce que c'est la ligne précédente. Est égal à src, c'est la valeur de src, c'est src size moins 1, forcément, ouais je pense que c'est ça, donc src, ouais, je peux faire ça comme ça, src size
Moins 1. Donc ça, c'est la dernière ligne actuelle, qui est la ligne précédente. Donc on va itérer là-dessus. For i précédente size. Ok, donc if i moins 1 n'est pas inférieur, donc est supérieur ou égal à 0, parce que forcément on a les conditions limites, toujours. Et i plus 1 inférieur à précédent.size. Parce qu'elles sont toujours, elles auront toujours la même taille en fait. Peut-être que j'augmente ça. Ok. Précédente.size. Et donc là, il faut faire les tests de la cellule et ajouter. Enfin, changer la cellule suivante. Enfin, faut changer. Faut faire une nouvelle cellule. Ouais, c'est ça. Cell C est égal à new cell. Faut qu'on fasse une nouvelle cellule. Et ensuite, il va falloir déterminer son état. Il n'y avait pas une histoire de Xor à la con. Règle numéro 30. Comment ça s'appelle? Algorithme Wolfram. Non, c'est pas ça. Cellular automaton. Cellular automata. Il n'y a pas celui de Wolfram. Wolfram. Il y avait une règle à la con, c'était Xor, quelque chose. Wolfram, règle 30. Règle 30. Rule 30. C'est... Donc je peux le faire à la main, mais c'est chiant, quoi. Bon, tant pis. On va le faire à la main. Je l'ai au moins celle à la main. Donc on va faire les états où elle est vivante. If. Ou oh, alors. Alors en fait il suffit de compter. Ah oui non. If on va avoir besoin de précédente. Précédente i. Get state. Donc i-1. Si i-1 est vivante et i est morte égale à false et i plus 1, donc la suivante est morte, on inverse, donc c.reverse state, je le push back à la fin. LC if. Donc sinon si, parce qu'il faut pas tester tous les trucs. Ouais mais c'est pareil avec un if en fait. On va juste copier-coller tout ça et on va copier les quatre états où elle est vivante. Donc celle-là, elle doit être faux, false, true, true. Donc ça c'est le deuxième état où elle peut être vivante ensuite. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle est en fait elle est morte de base. Ensuite c'est faux, vrai, faux, et ensuite c'est faux, faux, vrai. Ok, et ensuite faut la pusher tout simplement, donc c'est TMP, j'ai pas besoin de... Ah oui si, j'ai besoin de retourner, SRC. Je me perds un peu, genre je me perds pas mais je suis un petit peu brouillon. Je suis très clairement un petit peu brouillon. TMP pushback. Pas un pointeur. TMP pushback C. Et à la fin. Et là, c'est src.pushback. Allez, ça par contre, je vais avoir besoin de ça. Pushback TMP. Ok. Ah putain, il voit pas mon makefile. Il voit pas mon makefile. Très bien. Attendez, hop. Il va le voir tout de suite.
Alors, il y a des erreurs. Est-ce que c'est ça? Ça doit être ça. Ok, base operand. C'est pas un pointeur, effectivement. Par contre, ça doit en être un. Donc il fait du caca. Oui, là j'ai mis un point. J'ai oublié les points virgules, évidemment. J'ai oublié ça. Ah, je vais y arriver. Oui, donc c'était bien ça. Là j'ai mis un point en trop. Bien, est-ce que ça fonctionne? Normalement, ça devrait directement fonctionner. J'arrive pas à écrire. Voilà. Wolfram. Wow. Pas exactement ça. Ça ne marche pas des masses. Ah, j'ai peut-être des problèmes de position. Ah oui. Ok, non. C'est la position qui va pas. Parce que là, la position, c'est... C'est IJ, ok. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ma nouvelle position qui est pas la bonne. Parce que... cette position... est égal à... C'est la all cell. Je me gratte un coup, là. C'est la old cell, donc c'est... Putain, ah! C'est celle qu'on regarde plus, hein, donc c'est celle-là. Quête position. Ah, ça va être un peu tricky, là, parce qu'en fait, il faut que j'ajoute... J'augmente d'une ligne. J qui est ça, donc ça c'est bon, c'est le deuxième, la deuxième partie dont j'ai besoin d'augmenter. Du coup, on va faire un truc comme ça, ensuite c'est cette position, on va juste bourrer deux fois en fait. Cette position, c'est get position X, donc c'est ça, hein, je crois que ça marche comme ça, c'est get position point Y, plus... I fois size. Plus 1 fois plus size en fait, tout simplement. On va ajouter une size en plus pour descendre d'un cran. Mais non, mais j'ai oublié un point virgule. Ah! Hey! Est-ce qu'il y a des gens pour voir ça? Est-ce que tout le monde est parti? Ah non, il reste des gens. Alors on voit que je suis limité en taille, très clairement. Très clairement, je suis super limité en taille. Normalement, ça continue à l'infini. Hein, et en fait, on se rend compte qu'il y a une zone régulière et une zone complètement irrégulière. Enfin, une zone où il n'y a rien du tout. Et c'est une fonction. Enfin, cet état-là est décrit comme chaotique. Chaotique mathématiquement. C'est genre. Il n'y a pas de vrai, véritable lien. C'est un peu comme les doubles pendules. Faudrait que j'augmente ça en fait. Parce que du coup, comment. C'est en termes de taille, c'est pas bon. Size est pourtant à 5. Est-ce que ça serait pas plutôt 8? Je me serais pas peu chier dans la colle à mettre with. Bien, c'était pas ça. Ça devait pas être ça, effectivement. Ça devait bien être with. Pourquoi c'est si limité? Tout cas, c'est joli. C'est hyper limité et ça revient. Ah bah oui, quand ça arrive aux limites. Je la mets bien au niveau de moitié. Ouais. Ah, attendez, je crois que je fais un peu de la merde. Ah oui, je fais de la merde en fait. Parce que je. C'est quand j'arrive au bout. Cette partie-là. En gros, c'est des effets limites encore. Toujours les effets limites qui font chier. Je faisais ma nouvelle cellule à l'intérieur.
Mais comme quand je regarde même pas les cellules, je change pas leur état quand elles sont sur les bords de la table, il y avait un problème dans le sens où elles s'étaient même pas créées et ajoutées. Donc forcément, à un moment, ça revenait, ça revenait comme ça. C'est pour ça qu'il y avait la partie basse. Alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir. On va voir si c'est ça. Ah, voilà. Carrément mieux déjà. Ah oui, on voit l'effet de bord là à gauche quand j'arrive tout au bout. Carrément bien. On voit qu'il y a des structures qui se répètent, mais en fait, bof. Mais en fait, bof. Alors, on va essayer de faire un truc. On va essayer de le pousser à fond. Genre vraiment de bourrer à fond notre truc. On va utiliser le système de vue. Attends, je vais quitter ça derrière, c'est le Game of Life derrière. Ok. On va essayer de quitter, d'ajouter le système de vue qui va permettre de dézoomer, de gagner un petit peu en visibilité, de voir un petit peu comment ça fait. Et on va aussi bourrer de manière à ce que notre machine, ça avance, hein, tout simplement. On va faire continuer notre truc. Genre par exemple si on met du 10 000, enfin on va essayer de mettre en sorte qu'on puisse voir des trucs vraiment loin. On puisse dézoomer, se déplacer. Donc pour ça va pas être exactement ce qu'on fait de l'automate cellulaire à proprement parler, ça va être de la SFML, le système de vue. Est-ce que je peux mettre de la couleur? Tu veux que je mette de la couleur? Tu veux que je mette de la couleur? On peut mettre de la couleur. Mettons de la couleur. Alors attendez, je vais juste repasser au normal. Mettons de la couleur. Ce que je te propose, Chaotic Shade, c'est que là, tu as... Ah oui, t'étais pas là. Là, en gros, j'ai les couleurs des quatre... Je crois que t'étais pas là. Hein. J'ai les couleurs des quatre sommets de chaque carré. Donne-moi les couleurs de quatre sommets de chaque carré sous la forme RGB. Tu mets-le dans le chat. Sachant que ça va de 0 à 255 à chaque fois. R, G et B. Et en fait, ça va faire une interpolation sur les points des sommets. Donne-moi la couleur que tu veux et je les mettrai. Là, les vues, elles sont où? Module des vues. Ah, caméra 2D avec les vues. Zoomer. Ah, là, c'est ça. Donc, on va faire un truc. Ouais, c'est ça, c'est avec le set view. Alors, on va faire un truc avec du view. Tu donnes la couleur en chiffre ou genre bleu-vert. Si tu es sur un PC, tu as les systèmes de tape color part picker sur Google ou sur ce genre de truc. Tu pourras sélectionner les couleurs exactement de ce que tu veux et ça te donnera la RGB. Comme ça, je me débrouillerai avec. Ouais, c'est ça, alors. Ok. MView. On va faire ça dans le main. SF view est égal à. Non. View est égal à window.getView. On va récupérer la vue actuelle. Et en fait, on va utiliser les claviers, les entrées claviers pour dézoomer s'il faut. Les entrées claviers, je m'en souviens plus non plus. Alors, SF if. Non, ça c'est le joystick. If SF. Ah. SF keyboard. Is key pressed. SF keyboard. Up. Je crois que c'est. Non, mais non. Crois que c'est up. Je crois que ça s'appelle up. Donc là, on va zoomer, dézoomer. Donc view. Alors, hop, point. C'est quoi déjà? C'est. Ça se zoome tout simplement.
Zoom 0,9F, je crois que c'est... Ouais, ça va être... On va faire ça comme ça, je crois que ça marche comme ça. Set view... Ah non, c'est active. Vérifie. Ok, c'est ça. Ok. Donc là, normalement, si on appuie sur up, ça doit zoomer. Ça doit zoomer ce qui est... Enfin, ça doit dézoomer ce qui est un peu con. On va faire 1.1. Alors, tu m'as donné 17, 209 et 219. Eh ben, c'est parti. Ça sera tous les trucs qui auront la même, hein, à moins que tu veuilles... On peut mettre des couleurs différentes et ça fait des interpolations. Alors on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça dézoome. Ça dézoome, ce qui est pas très normal. C'était pas censé dézoomer. Faudrait que je fasse un truc qui permet de mouver la... Ah oui, là c'est limité. Donc là on voit bien qu'on est limité par le truc et ça descend... Ça se casse un peu la gueule, quoi. Ah, tu donnes d'autres trucs. Nickel. Du coup, alors... 44, 219, 17... Et 17. Bien, voyons voir les couleurs qui ont été proposées par Chaotic Shade. Oh mon dieu! Faudrait que je puisse zoomer, je vais essayer de faire en sorte de zoomer. Hop. 0,9. Et là. Ouais, non, attendez, hop. Ah, c'est chiant. Ou alors, je devrais plutôt. S. D. On va utiliser ça. On va utiliser SD pour zoomer, dézoomer. Et ensuite, j'utiliserai les flèches pour me déplacer. Alors, c'est move, je crois. Move, ah, c'est ça. Et on peut pas faire un move relatif? Décalage de la vue, c'est 300. Ah, si, c'est un move relatif. Ok, quand même. X, Y. X, Y. Donc, up, c'est du moins Y. Alors, up, down. Ça serait du plus Y, du coup. Left, donc là je fais les mouvements. Hein. Left, donc left c'est du moins X, moins 50. Ça va être rapide, 50 je crois, c'est en pixels. On va bien voir. Right, c'est du plus 50. Bien! Alors là, on doit pouvoir zoomer avec Z. Pas du tout, ça ne marche pas. Je peux zoomer avec D, ce qui n'est pas ce que je voulais. Je peux me déplacer avec... voilà. Donc on voit les trucs. Hein. Pas très beau. Hein. Ah, ça donne ça. Ah, si, c'est joli, en fait. Une petite couleur. Par contre, je peux pas dézoomer. Parce que j'ai mis quoi? J'ai mis D. Ah, et j'ai mis D, pas Z. J'étais sur le clavier. Bien. Donc, voilà. Ah, c'est original, hein, de... À cette distance. Alors attendez, on va faire ça un peu mieux, on va... Bah, c'est vrai que du coup, le sel là-haut, il sert à rien du tout. Hop. Ok. Je vais changer, parce que c'est pas S, c'est Z. Z et S. Alors attendez, c'est S pour dézoomer. Z pour zoomer, je crois que c'est ça. Et ensuite, on va mettre carrément plus que width divisé par size. On va bourrer
De quoi le voir arriver? Ah mais ça fait de la location. J'avais oublié cette histoire, c'est que ça alloue. Ah, le con. Ah merde, j'avais complètement oublié que ça faisait de la location. Ah, tuez-moi. Ah, c'est moi qui suis con. Je suis con. Ah la vache. J'ai complètement niqué mon truc, hein. En plus, le contrôle supr, il va pas au bon endroit. Ah bon, bah c'est reparti pour le restart. C'est quoi la location? La location, c'est avec l'apostrophe, c'est... Ah, si, je crois que je peux avoir... Ah non. Non, ça va être restart. C'est restart tout court. En gros, quand on fait un programme, je suppose que t'es un peu joueur quand même, tu as dû le voir... Ah non, merde, ça venait de finir. Bon, tant pis, faut que je le restart dans tous les cas. Quand on fait un programme, on alloue de la mémoire. C'est la mémoire dans ta RAM, elle est allouée... tu l'alloues par la programmation. À chaque fois que je fais une variable, à chaque fois que je fais un new, à chaque fois que je fais des trucs, j'alloue de la mémoire. Par exemple, quand je fais, là tu le vois encore avant que ça disparaisse, cell étoile C est égal à new cell, je crée une cellule, mais je la crée en mémoire. Ça me demande de l'allocation. Le truc, c'est que là, je lui ai demandé de faire des vecteurs, donc c'est des tableaux, extrêmement grands, de 100 000 de taille, c'est très grand. Et je veux à chaque fois qu'il fasse des copies, des trucs comme ça, enfin qu'il travaille dessus. Ça peut prendre du temps. Et c'est pas ce qu'on cherche. En gros, là, pour le coup, c'était pas le mieux. Là, je lui demandais à chaque fois de créer un vecteur de 10 000 de taille. Et je lui demandais des trucs vraiment lourds, quoi. 10 000, je suis gentil, je crois que j'ai plutôt demandé 1 million. Bref. T'es vraiment nul en info. Ah, mais t'inquiète, hein. Tout le monde ne peut pas être super fort. Et honnêtement, il y a de moins en moins d'IT. J'ai vraiment l'impression de mecs qui connaissent, en fait. Parce que je pense que beaucoup de gens, tout simplement, se foutent un petit peu de ce qu'ils ont dans les mains. C'est un peu malheureux d'une certaine façon, mais en même temps, je comprends que vu que la technologie est de plus en plus... Et de plus en plus obscurci, genre quand t'as un iPad et des trucs comme ça, ou même de l'informatique en général, on te cache de plus en plus de trucs. Parce que on veut pas que l'utilisateur qui paye, il se fasse chier à débugger avec sa console, des trucs comme ça. Non, il veut surtout pas. Du coup, c'est normal que moins en moins de gens s'y intéressent, et en même temps un peu triste. Mais bon, voilà. Il y a encore des informaticiens, du coup ça va. Alors, on y retourne. Voilà, on y retournait. Ah oui, je lui avais donné carrément plus que ça. Déjà, on va commencer à 1000. Je pense qu'avec 1000, on serait déjà pas mal. Si vraiment ça marche. Avec 1000, ça fonctionne. Donc zoom, Z des zooms, évidemment. C'est pas du tout ce que je recherchais, mais c'est pas grave. Ah! Alors ça, c'est bizarre. C'est vraiment étrange comme comportement. Alors là, pour le coup, j'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Ah oui, si, je sais pourquoi. Putain, je suis con. C'est parce qu'il y a encore ça, en fait. Donc du coup, là, j'étais vraiment... La première cellule, quand on la lance, elle est... Enfin, la cellule numéro 0 est là. Et là, du coup, j'avais mis une cellule vivante. Auparavant, c'était à la moitié de ça, mais maintenant, c'est plus du tout à la moitié du vecteur, en fait. C'est au tout début. Du coup, c'est normal que là, quand ça touche, ça tape le bord. Du coup, il faudrait plutôt faire... ça divisé par 2. Ah, mais du coup, là, on voit plus rien. On sait plus où elle est. Ah, elle est là. Du coup, effectivement, pas terrible. Tant qu'on y arrive, elle va être déjà un peu générée. Faudrait que je centre la vue, en fait. Et regardez ça. Regardez.
pour ceux qui restent. Là, on voit parfaitement qu'il y a des zones qui ont l'air d'être régulières, des zones qui ont l'air d'être pas du tout régulières, et qu'il y a des motifs qui reviennent quand même. On sait pas trop d'où ça sort. Il y a des trucs, il y a des carrés, enfin des grands triangles, et en même temps, il y a des petits triangles. Il n'y a rien de récurrent. Il n'y a rien qui est répétitif. C'est vraiment bizarre. Et de ce côté-là, on voit bien à gauche qu'il y a quand même des motifs plus réguliers. Et encore, c'est pas trop d'où ils sortent. Là. Au début, la régularité, elle est plutôt là. Puis après, elle est là. C'est bizarre, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui... C'est la théorie du chaos, quoi. À ce niveau-là, c'est vraiment la théorie du chaos. Donc, on va réduire carrément le truc parce que c'est 1000, c'est 10 000, c'est beaucoup. On va juste mettre ça. Et je vais changer un truc. Je vais changer une des règles. On va voir ce que ça va donner. Bon, déjà, on va lancer ça. Et ensuite, je vais changer une des règles pour voir ce que ça donne. Ah, ça devrait pas être trop loin. Donc voilà, là c'est plus centré, c'est plus rapide, c'est un peu moins bourrin. Déjà avec 1000 cellules, c'est déjà pas mal. Break the rule, exactement. En fait, il existe pour cet automate cellulaire 256 règles différentes. Parce qu'en fait, il y a 8 possibilités, enfin 256 possibilités, étant donné que chaque fois on prend 3 cellules, donc ça fait 8 combinaisons possibles, enfin 8 états possibles, donc 8... Attendez, j'arrive pas à calculer. Oui, c'est ça. Il existe 8 configurations possibles. Donc 2 puissance 8 possibilités de régler son truc, quoi. Du coup, ça fait 256 façons différentes. Donc nous, on avait la configuration numéro 30. Parce que quand on regarde le tableau et qu'on donne les configurations, quand on pose les 1, ça fait comment ça s'appelle, ça fait 30, ça fait numéro 30 en binaire. Du coup, nous, on va rajouter une règle qui actuellement est dans l'état de la règle numéro 30. On va la passer dans la règle numéro ça va faire numéro combien ça, calculatrice, 1 c'est 2 puissance 0, 1 2 3 4 5 2 puissance 5. Ça va être la règle numéro 62. Donc on va copier ça. Pour le coup, ça va être la règle numéro 62. Ça veut dire que moins 1 est à vrai. Vrai. Et faux. Et donc là, on aura la règle numéro 62 qui va faire un truc totalement différent. Et voilà. Ça fait un truc totalement différent. Ça fait un motif régulier pour le coup. Sauf sur les bords. C'est marrant, hein. Alors qu'auparavant, on avait un bordel de ouf. Allez, on va rajouter une autre. On va mettre la règle 200, la règle 63. Du coup, avec tout à faux. Pour le dernier. Là, c'est la règle 63. La règle 63 qui possède une règle à la con qui force le truc à... En fait, là, on voit bien le tableau, il est complet. Oh, oh, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Interpolation. Là, j'ai pas zoomé. Hein. Je suis en dézoom suffisant pour qu'il y ait une interpolation de couleurs qui se fasse. C'est vous. Parce que si on zoome, effectivement, ce sont bien des cellules. En fait, la règle que j'ai rajoutée, elle fait en sorte qu'à partir du moment où il y avait 3 cellules mortes, ça devient une cellule vivante. Donc en fait, sur la majorité des trucs, c'est une cellule vivante, du coup. Là, par contre, il aurait peut-être fallu que 3 cellules vivantes, ça donne... Ah oui, mais si elle donne déjà 3 cellules vivantes... Alors là, on va essayer un autre truc, du coup. On va essayer en inversant, en prenant la règle numéro à la place de 63. Ça va être du 2 puissance 7, 128 plus 2. La règle 190. Là, on va mettre la règle 190. Voilà.
Ah. Là aussi, il y a l'interpolation. La règle 190, elle fait un truc complet. Très bien, avec une... c'est le plein. Très bien. Donc voilà. Plutôt cool, hein. De toute beauté. Exactement. Du coup, là, on va faire un truc. Je vais enlever les deux règles qu'on a rajoutées et je vais en enlever une supplémentaire. Je vais enlever la... Donc là, on est à 30. Je vais enlever l'avant-dernière. Donc, on va passer à 28. Là, ça va être la règle 28. Règle 28. Et... Oh ! Bizarre. On n'a plus que la moitié. C'est coupé en deux et c'est régulier. Je trouve ça assez ouf comme automate, en fait. C'est l'automate le plus simple. Et en même temps, il donne déjà des trucs vraiment complexes à comprendre. Du coup, c'est vraiment cool. Du coup, là, si je vais remettre la fonction à la con. Et je vais enlever celle-là. Donc là, on va être à la règle 26. Ah! Ça, c'est une des fractales. C'est une des trucs fractales. Donc une fractale, c'est quand un motif se répète à l'infini quand on zoome. Bon, en l'occurrence, nous, on peut pas aller à l'infini parce qu'on peut pas plus zoomer que cet état-là. Mais si on dézoome à l'infini, on aura toujours le même motif. On pourra d'ailleurs le voir si on laisse un peu tourner. C'est drôle, hein. Je trouve ça génial. Et c'est la Triforce. Et un peu spécial quand même, la Triforce, hein. Je trouve ça assez génial. Ah, je pourrais regarder ça pendant longtemps. Du coup, voilà, j'avais dit que je faisais un automate cellulaire en moins de 3 heures. Ah, on arrive aux limites. Un automate cellulaire en moins de 3 heures. Eh ben, c'est fait, j'en ai même fait deux. Il y en a un qui est un peu basé sur l'autre quand même, mais... J'ai fait le Conway Game of Life et le Wolfram Automaton. Du coup, c'est Automata, c'est sympa, ouais. C'est presque poétique. Exactement, il y a une certaine poésie. Je te conseille vraiment de regarder la vidéo, si tu l'as pas déjà regardée, de Science Étonnante sur les jeux de la vie. Il explique beaucoup mieux que moi, parce que déjà, il est plus... C'est un mec, c'est un scientifique, un vrai, quoi. Et puis balèze, c'est pas juste un mec random comme ça sur Twitch ou sur YouTube. Et il explique aussi les enjeux, comment ça marche, un peu plus en détail. Et il a allé chercher des vidéos, il y en existe plein sur YouTube. Tu tapes Game of Life sur YouTube, tu peux trouver des trucs mais monstrueux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces Game of Life là, que ce soit le Conway, c'est surtout sur le Conway ou le Wolfram, tout est une question de position de départ. Il existe des Game of Life où quand tu positionnes bien tes cellules au départ, tu peux faire un Game of Life dans le Game of Life. Tu peux programmer le truc. Et je trouve ça dingue. Donc là, on voit que ça rentre en collision, mais que ça continue de faire des fractales. Elle commence à galérer à afficher des trucs. Inception de Game of Life, exactement, du Inception de Game of Life. Ah, c'est joli ça! C'est joli, je sais pas si c'est la carte graphique qui galère ou si c'est mon programme qui est tellement mal foutu qu'il galère à ajouter des trucs. Pourtant, on devrait pas être. Pourtant, pour le coup, il n'y a pas d'allocation réellement. Normalement, ça devrait être bon. On dirait un motif indien. Ouais, un peu un motif indien. Ah, c'est marrant, là, ça se coupe d'un coup, tu sais. Genre, ah, mais si, c'est à cause de la collision contre le mur. Wow, là, ça fait des trucs un peu bizarres quand on zoome.
Je suis curieux de voir, ça fait quoi quand, quand ça atteint les bords? Ouais, ça fait pas le temps le zbeul que ça en plus, hein. Oh. Galère un peu. Sans que c'est une VM. Ah, c'est cool. C'est super cool. Bref. Bref, je pense qu'on va arrêter là parce que du coup, j'ai plus grand chose à faire en fait. Parce qu'il y a des règles à tester, des trucs comme ça. Mais j'ai plus grand chose à faire. Là, faut s'amuser avec. Mais bon. Je sais pas. Est-ce que comment je pourrais faire? Filer le code. Ouais, il est cracra le code quand même. Il est cracra. La vidéo sera disponible. Ça peut. Bon, les gens pourront s'en inspirer. Ça va très bien. Il existe plein de trucs pour le faire. On pouvait le faire en processing. On pouvait le faire en plein de différentes. De différentes manières, le Game of Life, vous pouvez le faire en Python. Et honnêtement, j'ai fait une manière très compliquée. Je me souviens avoir fait une version sur mon PC portable quand j'étais au Canada. Je crois qu'elle se faisait 150 lignes à tout péter, un truc comme ça, du Conway Game of Life. Il y avait carrément moins et c'était carrément plus rapide. Pour la simple et bonne raison que je passais pas par le côté par ce côté-là, enfin tout ce qui était l'objet cellule, je le faisais pas. En gros, ce que je faisais, c'est que je faisais des carrés avec des sprites, tout simplement, et je leur donnais une couleur et je testais la couleur de chaque carré. Genre, je me plaçais à un endroit et je faisais, alors lui il est noir, ok, donc ça veut dire que ton voisin il est noir. Alors lui il est blanc, ça veut dire que ton voisin il est blanc, etc. Donc je faisais comme ça à la couleur. Ça rendait le truc extrêmement léger, extrêmement rapide, mais en même temps tellement pas modulaire. Du coup, voilà. Cette fois-ci, j'ai fait un truc un peu plus modulaire. D'ailleurs, on l'a vu. Ça a été quand même carrément plus rapide de faire le Wolfram que si j'étais passé par les histoires de couleurs. Là, c'est plutôt joli avec les limitations sur les côtés. Donc voilà, je pense gentiment arrêter là pour ce soir. C'était plutôt sympa. Je pense que j'en referai. Si j'ai l'occasion de le refaire, faudrait que je trouve des sujets où je peux faire ça assez rapidement. Ça peut être cool. Que c'est sympa. En fait, au début, je suis allé un peu rapidement, je pense, pour les explications. Parce que j'ai pas considéré que les gens étaient trop néophytes. Un petit peu mon tort, peut-être. Je sais pas. C'est la première fois que je fais ça en live, du code en live. Peut-être que j'en referai, ne serait-ce que pour les trucs quand je bosse. Et puis, comme ça me permet d'avoir des gens à côté de moi. À côté de moi, en fait. La discussion, quoi. Bref. Bref. Sur ce, je pense que je vais gentiment arrêter là pour ce soir. Et puis, ça, il n'est pas trop tard. Il est moins de 23h. Nickel. Et puis, sans doute un live. Peut-être pas demain. Peut-être vendredi. Je sais pas. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Bon live des Fafas. Je sais pas sur quoi. Ça sera du jeu vidéo. Ça sera du jeu vidéo. Je pense à peu près sûr à 99% que ça sera du jeu vidéo la prochaine fois. Bref. Je vous emmerde pas plus. Et puis, je vous dis. Bonne fin de soirée à tous ceux qui sont encore là. Vous êtes encore 5 d'après mon Twitch, ce qui est cool. Et puis voilà. Allez, bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois. Et j'ai encore oublié de faire une putain de scène de retour. Ça sera toujours mon running gag, ce truc.